Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Alpizère Tour, quatrième étape de cette 32e édition. Quatrième étape sous une grosse chaleur, il fait très chaud sur la route des vacances, on est proche de la 7, mais pas de vacances pour les coureurs de l'Alpizère Tour. Après trois premières étapes parties déjà sur les chapeaux de roue, et bien cette quatrième qui s'annonce d'ores et déjà dantesque, avec une petite excursion dans le massif du Vercors avant de revenir ici à Saint-Maurice-l'Exil où sera jugée l'arrivée tout à l'heure. On va revenir rapidement sur l'étape bien sûr qui est en train de se dérouler, mais revenir surtout sur ce qu'il s'est passé les jours précédents, avec hier un coup de tonnerre, victoire d'un coureur amateur, Clément Carizé, amateur qui avait fait plusieurs passages chez les professionnels. Il avait notamment remporté une étape du Tour de Poitou-Charentes. Et bien hier, sur le fil, il a conservé l'avantage qu'il avait avec Théo Thomas en échappé pour aller finalement s'imposer sur cette troisième étape qui s'achevait à Colombier-Saunieu. Théo Thomas était deuxième. Jordi Warlop réglait le sprint du peloton qui est venu mourir à 3 secondes de cette échappée, une échappée qui a tenu bon et un nouveau maillot jaune sur les épaules de Clément Carizé avec des écarts extrêmement faibles. Le jeu des bonifications a fait son jeu justement pour le classement général avec Clément Carizé qui n'a que quelques toutes petites secondes d'avance sur Jordan Abetz, donc l'ancien maillot jaune qui est donc relégué en deuxième position du classement général. Mais tout pourrait évoluer aujourd'hui puisque Jean-Claude, effectivement, on arrive dans le Vercors. La première grande difficulté de cet Alpizère Tour a d'ailleurs été franchie il y a quelques minutes. Un parcours complet pour l'étape la plus longue de cette édition. Oui, c'est une information importante. La chaleur qui règne aujourd'hui, aussi bien donc sur le massif du Vercors qu'en pleine vallée du Rhône, cette chaleur va avoir un rôle, à mon avis, prépondérant. Les directeurs sportifs nous signalaient tout à l'heure que c'était un peu la chasse à la canette, donc la chasse au ravitaillement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des températures qui vont avoisiner, je pense, les 30 degrés. Lilian, c'est assez impressionnant. Et d'une part, ça arrive un petit peu très, très vite. Il n'y a pas eu, je dirais, de passage avec des températures, on va dire, un peu moyennes. Là, on est tout de suite entré dans une température estivale. Lilian, où sont les coureurs actuellement ? Les coureurs vont bientôt entrer dans les 80 derniers kilomètres. On va pouvoir refaire le point bientôt puisqu'on le disait, la grosse difficulté, le col du Petit Mont Noir a été franchi. C'est le col que vous voyez sur le profil actuellement avec son point culminant de l'étape à 1280 mètres d'altitude avec un peloton qui a explosé il y a quelques minutes. On va refaire le point évidemment. Pour l'heure, on s'oriente vers la remontée, vers Saint-Maurice-l'Exil. Retrouver donc le bord de l'autoroute A7. On en parlait tout à l'heure, et venir disputer ce final. Un profil bien casse-pattes avec pas moins de 7 ascensions répertoriées aujourd'hui. De quoi aller bousculer le classement du meilleur grimpeur. Ce sera l'un des enjeux du jour, mais du côté du classement général, là aussi, attention, on pourra avoir quelques surprises. Le départ, lui, a été donné sur les chapeaux de roue depuis la commune de Monstereau-Milieu qui nous a accueillis pour les opérations de départ avec Monsieur le maire Denis Merlin qui libérait les 120 coureurs encore en course. Départ donné fictif pour quelques kilomètres avant un départ réel qui a vu, eh bien, comme d'habitude, quelques premières tentatives d'échapper dès que la voiture de direction de course s'est écartée. On est parti sur les chapeaux de roue. On n'a pas beaucoup débranché malgré la chaleur. On va refaire le point tout de suite justement sur le direct et sur la situation de course. Ce sera juste après avoir écouté les mots de Denis Merlin, monsieur le maire de Monstereau-Milieu, qui nous accueillait tout à l'heure pour le départ. Bonjour, bienvenue dans notre village de Monstereau-Milieu. Nous sommes une petite commune au milieu de la vallée de la Varèse, avec 815 habitants, organisée en hameaux un petit peu dispersés à droite et à gauche de la Varèse. Nous avons comme équipement une école communale, nous avons une école intercommunale pour la maternelle et une église du XIIe siècle qui est classée. Sur le plan sportif, nous avons un gymnase qui accueille à peu près tous les joueurs de basket de la vallée et peut-être un petit peu au-delà. Il y a aussi du volley et du futsal. Nous avons aussi un terrain de foot qui, lui, est occupé par le football club de la Varèse en intercommunalité avec Courébuis. Nous sommes très heureux d'accueillir cette course d'Alpizère Tour pour le 27 mai
et nous espérons que cette journée sera très très festive et qu'elle nous laissera un aussi bon souvenir que le passage du Tour de France en 2014. Nous mettrons tout en œuvre pour cela. Et sur la route de cette quatrième étape, il reste maintenant 70 km à parcourir. Le sommet du col de la Madeleine a été franchi. Regardez comme les coureurs, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, vont à la chasse au ravitaillement avec un groupe de tête. Un groupe de tête qui s'est écrémé finalement après quelques tentatives d'échapper. C'est surtout une élimination qui s'est faite par l'arrière sur les routes, notamment du col du Petit Mont Noir, point culminant de cette étape. Et on va retrouver maintenant un groupe d'une grosse vingtaine de coureurs en tête avec un col de la Madeleine qui était loin d'être le plus difficile effectivement sur le papier, mais qui est bien sûr dans la réalité a fait un petit peu mal alors que Clément Carizet était en difficulté justement tout à l'heure, et on l'aperçoit ici dans un deuxième groupe, le maillot jaune qui était en perdition. Il avait perdu 3 minutes dans le col du Petit Mont Noir, un petit peu revenu à l'occasion de la descente et de la vallée, mais ici on le voit, ça s'annonce compliqué. Oui, c'est sûr, ça s'annonce effectivement très très compliqué pour Clément Carizet. Clément donc a dû faire une descente extrêmement rapide de ce col du Petit Mont Noir qui était, je le rappelle, à près de 1300 mètres d'altitude dans le massif du Vercors. C'est vrai que cette année, au niveau de cet Alpizère Tour, on découvre effectivement le Vercors dans l'avant-dernière étape. Demain, ce sera donc autour du massif de la Chartreuse, mais ce sera une autre page, bien sûr. Ici, donc, après ce col de la Madeleine, qui n'est pas le grand col hein, que les amoureux du vélo connaissent certainement via le Tour de France. Le col de la Madeleine, c'est un col 4C en quatrième catégorie. C'est uniquement 2,7 km à 5% de moyenne, qui est situé juste après Saint-Antoine-l'Abbaye. Saint-Antoine-l'Abbaye, qui est d'ailleurs un merveilleux village du Dauphiné, qui fait d'ailleurs partie des 7 merveilles du Dauphiné, l'abbaye de Saint-Antoine. Et là, on va découvrir effectivement de somptueux paysages entre ce col de la Madeleine et la côte de Méribel, donc, qui va arriver très très vite. Hein. Dans 9 km, nous serons maintenant au sommet de cette côte de Méribel. Il restera comme difficulté la côte de Haute-Rive, célèbre village aussi du facteur cheval, classé en quatrième catégorie. Cette côte d'Haute-Rive, c'est 2 km 200 à près de 5% de moyenne. Ensuite, une côte très difficile que les coureurs ont déjà pu aborder il y a quelques années pour certains, le carrefour de l'Arbre. Le carrefour de l'Arbre en Anjou, au kilomètre 154, classé en troisième catégorie. C'est un petit mur d'un kilomètre seulement. Et puis pour finir, donc, la côte du Colombier au kilomètre 175, quatrième catégorie aussi, 1,5 km à 6,5%. Un final très, très mouvementé, Lilian. Hein. Un final qui va être mouvementé. On avait peur que finalement les plus grosses difficultés soient situées trop tôt dans l'étape. Eh bien, on voit que finalement, avec ce parcours casse-pattes tout le long de cette quatrième étape, eh bien, on n'a pas le temps de récupérer tout simplement, et à l'imagité de Clément Carizet qui va vivre une sale journée, j'ai l'impression. Alors il est digne, hein, Clément Carizet, il se tient à son maillot, il veut essayer bien évidemment de rester à l'avant de la course, mais pour l'instant voilà, on n'arrive pas à réduire cet écart, alors que c'est Magnus Brinsrud à l'avant de la course qui relance l'allure pour la formation Uno X, le Norvégien qui se porte effectivement à l'avant. Et on parlait de ce maillot jaune, Clément Carizet, un garçon qui hier a remporté l'étape, avait quelques toutes petites secondes d'avance au classement général sur des garçons d'ailleurs qui sont eux aussi en difficulté. Il va falloir vraiment regarder avec précision ce classement pour voir qui sont les principaux prétendants au maillot jaune, alors que le classement général tel qu'il était au départ, vous le découvrez ici avec Clément Carizet qui n'avait que 3 secondes d'avance sur Jordan Abetz, qui n'est plus non plus dans le groupe de tête. Michael Boros, a priori, n'y est plus non plus. Je n'ai pas vu Artem Schmidt, je n'ai pas vu Noah Isidore. Et il semble qu'il n'y ait que Pepijn Reinderink, 6e du classement général, qui soit à l'avant et qui puisse être à l'heure actuelle virtuel maillot jaune. Il reste encore du parcours, 64 km à parcourir. Mais Pepijn Reinderink, qu'on a vu extrêmement à l'aise sur les premières étapes, qui serait le seul pour l'instant
l'instant parmi les mieux classés dans ce classement provisoire du maillot jaune, eh bien, qui soit toujours à l'avant, alors qu'on assiste vraiment à une course de mouvement et une quinzaine de secondes d'avance. Donc pour l'homme de tête sur un premier peloton, on est ici à un troisième échelon de la course maintenant avec le maillot jaune Clément Carizet. Oui, qui fait de la patinette. Il est là donc derrière ce groupe, donc le groupe numéro 2 à 15 secondes actuellement du premier groupe. Et c'est vrai que Clément essaye de récupérer. Je rappelle qu'hier, il s'est quand même payé une échappée de 172 km. Ça n'est pas rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il doit avoir vraiment les grosses cuisses, comme on dit, parce que cette étape, elle est particulièrement difficile, alors que nous sommes à 2 km maintenant du sommet de la côte de Miribel, donc, et c'est Magnus Brinsrud, le coureur de la Uno X de Sar 94, qui, je dirais, entame les hostilités, on va dire, en tête de course dans cette côte de Miribel, une route très étroite au milieu des champs de noyer, puisque la noix, c'est la spécialité régionale et c'est la spécialité notamment de cette région tracée donc entre Vercors et bien entendu vallée de l'Isère. Bon, belle intention en tout cas de Magnus Brinsrud, donc le Dossard 94. C'est un garçon donc qui est 50e au classement général, mais seulement à 21 secondes hein, de Clément Carizet, le maillot jaune. Et pourquoi pas effectivement tenter de prendre, comme on dit dans le jargon cycliste, la fille de l'air. C'est une opération, bon, elle est peut-être un petit peu présomptueuse. Avec Magnus Brinsrud que l'on retrouve en tête, et effectivement avec ses 21 secondes qu'il avait de retard, et s'il en a 20 d'avance sur le premier groupe, Clément Carizet est bien plus loin, donc c'est lui hein, qui serait à maillot jaune provisoire, je dis bien provisoire, il reste 63 km. Et on va faire un petit peu le point justement sur les différents échelons de la course dans cette côte de Miribel avec Magnus Brinsrud aux avant-postes. Derrière, on va retrouver un groupe avec notamment quelques-uns des favoris, les Nerd Van Edvelt, on en a beaucoup parlé depuis le départ de Charvieux-Chavagneux mercredi, le coureur belge de la Lotto Destiny, Oscar Honley était là également, Rémi Capron pour lever le club du Franche-Beaujolais dont on attend beaucoup, l'un des meilleurs amateurs français à l'heure actuelle qui est toujours dans le groupe des favoris. Du côté du CICU Nantes Atlantique, les deux grimpeurs sont présents, Jordan Jégat et Yael Joualan sont là, Finlay Pickering, le vainqueur du Tour Alsace la saison dernière, autre épreuve de montagne, eh bien est dans ce groupe également. Et parmi les amateurs, signaler la présence malgré tout d'un coureur de Charvieux-Chavagneux-Isère Cyclisme, même si on n'a plus le maillot jaune Clément Carizet, eh bien on a toujours Mathis Lebeau qui nous fait une superbe saison, hein, le garçon de Charvieux lui aussi, donc qui est pour l'instant présent dans ce groupe des favoris, passé en tête d'ailleurs sur le col de la Madeleine et tout à l'heure sur le col du Petit Mont Noir, lui qui avait entamé sa saison par une victoire sur les boucles du Haut-Var, eh bien il est toujours avec les favoris, les principaux leaders à la poursuite maintenant de Magnus Brinsrud. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut noter, c'est le groupe donc, qui est derrière l'homme de tête, entre parenthèses, entré dans le dernier kilomètre de l'ascension de cette côte de Miribel, c'est qu'il y a énormément de favoris qui ne se trouvent qu'à 21 secondes hein, du leader. Je pense, quelque chose qui est particulièrement important. Et Lilian Couillet donc, le signalait tout à l'heure. C'est vrai que des garçons comme Capron, comme Jégat, comme Joualan, Pinkrink, Honley, Van Tetveld notamment, ce sont des garçons qui se trouvent à 21 secondes seulement de l'homme de tête. Il en est de même d'ailleurs de Magnus Brinsrud, actuellement en tête dans cette ascension. Donc on va dire qu'il y a effectivement pléthore de favoris, pas loin effectivement du maillot jaune. Je serais encore surpris que cette avant-dernière étape puisse se terminer quand même au sprint, alors qu'on arrive, je pense, dans les 500 derniers mètres de cette belle ascension de la côte de Miribel. Alors je réagis à ce que tu disais tout à l'heure avec ce serait effectivement une surprise si on avait un sprint, mais l'année dernière sur une étape alors qui partait
de Saint-Maurice-Lexil. On arrivait à beau repère, mais sur des routes assez similaires. On n'avait pas eu un sprint massif, mais mine de rien, une quarantaine de coureurs qui étaient venus s'expliquer, à signe de l'homogénéité également dans ce peloton de classe 2. Eh bien, l'année dernière, Valentin Retailleau était allé régler un gros groupe. Donc finalement, une arrivée à 40-50 coureurs, cela reste possible. Oui, tout à fait. En tout cas, quand tu parles de la victoire de Valentin Retailleau et quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui et la progression qu'il a eue, ça prouve effectivement tout le niveau du peloton qui est proposé aujourd'hui dans cette Alpes-Isère Tour. Des garçons qu'on voit donc ensuite effectivement évoluer au plus haut niveau de la hiérarchie du cyclisme professionnel et mondial. C'est effectivement assez impressionnant. Voilà donc, alors que Magnus Brinsrud donc se dirige vers le passage au sommet, mais pas sûr qu'il puisse passer en tête. Deux autres coureurs viennent de revenir sur Magnus Brinsrud, le coureur de la Unoi, qui sont trois maintenant en tête. Et là, c'est du lourd parce qu'on a des garçons qui évoluent assez régulièrement en World Tour. Lennart Van Etvedt vient de prendre les points. Lui qui est redescendu le temps de cette Alpes-Isère Tour avec l'équipe continentale de la Lotto Destiny. Mais d'habitude, il est au niveau au-dessus. Hein. C'est un garçon qui avait terminé aux portes du top 20 sur la Flèche Wallonne, 15e du Tour de Catalogne. Et bien, c'est lui qui met le feu aux poudres avec Oscar Rondon, qui lui aussi avait signé des belles performances en World Tour puisqu'il a pris la 5e place d'une étape sur le Tour de Romandie. Et Brinsrud qui va devoir serrer les fesses derrière pour rester dans la roue. On a vraiment deux très grands favoris qui sont sortis à l'avant, alors qu'on nous annonce également un garçon comme Charles Page qui sera intercalé maintenant juste derrière pour Bourg-en-Bresse en cyclisme. On se dévoile finalement tôt dans cette étape, puisqu'il reste malgré tout 61 km à parcourir. Et que là, ce sont bien les grands favoris que l'on retrouve à l'avant de la course. Alors, on aperçoit le groupe maillot jaune. On rappelle qu'il y a un gros groupe, hein, entre deux encore, entre les trois hommes de tête et ce groupe maillot jaune. Donc, les trois hommes de tête, puis un premier peloton, puis le groupe maillot jaune que vous avez ici. À l'image, un groupe maillot jaune et maillot violet que l'on aperçoit sur les épaules de Gabriel Fédé, qui tremble aussi puisque le maillot violet, c'est le maillot de meilleur grimpeur. Et bien ici, kilomètre après kilomètre, il voit ce maillot s'éloigner. On va avoir un tableau d'honneur totalement redistribué ce soir. Oui, ça c'est certain. Hein. Donc effectivement, en tête de ce groupe, à la sortie du village de Miribel, le coureur italien d'AG2R, Gabriel Fédé, le Dossard 193. Voilà donc ce maillot de meilleur grimpeur sur les épaules de Gabriel Fédé et maillot jaune de Clément Carizet dans le même groupe qui tremble pour les biens qu'ils étaient allés chercher finalement les journées précédentes. On va refaire un point sur ces différents classements annexes qui vont nous intéresser. Hier, cela a beaucoup bougé du côté des points, du côté des sprints intermédiaires. Aujourd'hui, cela risque de bouger pour le classement de la montagne. Donc, on va les retrouver dans un instant. Pour l'heure, c'est les coureurs d'Israël Première Tech qui tentent d'emmener ce groupe maillot jaune, un groupe particulièrement réduit. Ils sont qu'une dizaine et Clément Carizet qui peine à l'arrière de ce groupe. Il a du mal à s'accrocher avec ici, c'est le groupe de tête. On est revenu un petit peu avec maintenant deux garçons du NoX, un coureur pour la Green Project. Il y a quelques individualités qui sont revenues de l'arrière. Il y en avait un, il y en a eu trois. Ils sont maintenant 6. Ouais, ça bouge hein, en fait en tête de course et c'est une bagarre incessante. C'est vrai qu'ils sont actuellement 6. Je me demande s'il n'y en a pas encore un devant, non. En tout cas, là, il y a un groupe de 6, ça c'est sûr et certain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, effectivement, ils sont bien 6 en tête. Alors que l'on découvre le classement des Grands Prix de la Montagne, c'était la situation au départ hein, avec Gabriel Fédé, leader pour le centre de formation de Chambéry, l'équipage G2R Citroën U23 menacé hein, avec les points qui sont distribués aujourd'hui puisque l'on rappelle que 7 ascensions sont répertoriées, dont cette ascension de première catégorie du col du Petit Mont Noir. Donc on refera le point dans un instant, mais on va se rapprocher dangereusement du côté des points. Carizé était leader à égalité de points avec Jordi Warlop qui porte aujourd'hui le maillot vert et qu'on n'a pas vu encore aujourd'hui, qui doit être dans un groupe encore plus retardé maintenant.
du côté du classement des jeunes. C'est Jordan Abetz qui était toujours leader, mais là aussi cela va évoluer puisque Jordan Abetz, aux dernières nouvelles, n'est plus dans les principaux groupes de favoris. Artiem Schmidt non plus, Noah Isidore non plus, donc Pepijn Reinderink qui pourrait remonter là aussi dans ce classement s'il est toujours pour l'instant dans le groupe des favoris, ce qui semblait être le cas selon les dernières informations pour la combativité. Ce classement du combiné qui réunit les sprints intermédiaires et les grands prix de la montagne, c'est là aussi l'Italien Gabriel Fede qui était en tête devant Théo Thomas, lui qui hier a terminé deuxième de l'étape, Théo Thomas, après toute sa journée passée à l'avant en compagnie de Clément Carizet, par ailleurs leader des sprints intermédiaires également. On a tout en tête, notre tableau d'honneur tel qu'il était au départ. Et bien maintenant, on va refaire le point avec les ascensions franchies au fur et à mesure. Et il en reste quelques-unes sur le parcours aujourd'hui avec la côte de Trives, la côte du Carrefour de l'Arbre. Rien à voir avec le secteur pavé que vous connaissez bien. Et la côte de Colombier qui sera située à 8 km de l'arrivée dans le circuit final. Circuit final d'un peu moins de 10 km. Et une anecdote, mais j'ai vu sur l'image juste avant, c'était les véhicules de secours qui suivaient le groupe maillot jaune. Les véhicules de secours, alors ils ne sont pas là que quand il y a un problème, ils suivent la course pour intervenir au cas où. Et là, ça veut dire qu'on a fait remonter des véhicules de secours au niveau du groupe maillot jaune. C'est-à-dire que derrière, on doit être très très loin. On a jugé bon de faire remonter ces véhicules de sécurité. Donc je pense que les écarts ce soir vont être astronomique. Oui, certainement, effectivement, alors que nous sommes dans la traversée de la Drôme des Collines. La Drôme des Collines, c'est effectivement, on le voit, quelque chose de particulièrement vallonné. Et les coureurs, même s'ils recherchent un petit peu l'ombre, n'en ont pas beaucoup. Et c'est vrai que cette traversée de la Drôme des Collines, et en particulier de la commune de Saint-Christophe-et-le-Laris, Saint-Christophe, c'est le patron des conducteurs automobiles, des motards. Et on disait simplement donc que regarder Saint-Christophe, on pouvait repartir rassuré. Voilà, Saint-Christophe et le Laris, donc, qui est traversé à vive allure. Et nous dirigeons maintenant vers Haute-Rive. Haute-Rive, ce sera à 50 km de l'arrivée. Autant vous dire donc qu'il reste encore 7 km. Pour rejoindre donc la patrie du facteur cheval. Alors qu'on va pouvoir reprendre la composition de ce groupe ici avec un Italien pour la Green Project, c'est Alessio Martinelli. On retrouve deux coureurs pour la formation Uno X Développement avec Johannes Kulset et Magnus Brinsrud. Un coureur pour le team DSM, c'est Oscar Ronley. On retrouve pour la Jumbo Visma Développement Taimon Grat et Johannes Kulset. Donc, je l'ai dit, pardon, pour la Uno X. Voilà pour le tour d'horizon de ces six coureurs actuellement en tête, six coureurs de talent. On est en train de laisser partir un très gros groupe avec une trentaine de secondes d'avance maintenant sur ce qu'on va appeler le peloton maintenant, même s'il est réduit, cela va rester notre peloton principal. Oui, tout à fait. Ce qui est important là aussi, c'est de rappeler que dans ce groupe de tête, on retrouve beaucoup de favoris et de coureurs donc, qui, comme on le disait tout à l'heure, ne sont qu'à 21 petites secondes du maillot jaune. On rappelle qu'il y a encore des bonifications sur cette ligne d'arrivée, donc 10 secondes notamment au vainqueur. Là encore, ça peut jouer, ça c'est une chose importante. En tout cas, la chaleur, elle règne sur la région drômoise et sur le département de l'Isère. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les commissaires ont décidé d'autoriser le ravitaillement jusqu'aux 10 derniers kilomètres. Je crois que les coureurs, effectivement, ont bien pris connaissance, et notamment les directeurs sportifs, bien sûr, de cette décision. Décision ô combien importante pour une étape longue de 183 km. Si on y rajoute la distance séparant le fictif du réel, on est proche donc d'une étape de 190 km. C'est pas rien. Lilian, c'est quand même la quatrième étape aussi. Je pense qu'il y en a qui commencent à avoir mal aux pattes. Oui, notamment du côté des jeunes, très jeunes coureurs qui ont peut-être encore peu d'expérience sur ce genre d'épreuve. On en parlait tout à l'heure au départ avec Clément Carizet, justement de l'expérience que lui avait à 31 ans et après plusieurs passages chez les professionnels, qui nous disait que voilà, une récupération sur une épreuve de 5 jours, c'était pas trop problématique pour lui. Ici, ce qui est problématique, c'est plutôt la pente pour Clément Carizet aujourd'hui, qui est relégué dans les groupes derrière, alors qu'on annonce 50 secondes à l'ardoisier pour le groupe de tête, un groupe de tête dont tous les coureurs sont dans le même temps
Ils sont tous à 21 secondes au classement général, tous à 21 secondes de Clément Carizé. Donc si la situation devait rester ainsi, eh bien, il faudra vraiment aller chercher dans les bonifications pour voir qui serait maillot jaune ce soir. On n'en est pas encore là, mais voilà, on n'a que des coureurs qui, pour l'instant, ont terminé dans le peloton sur les trois premières étapes, sans éclat, sans perte de temps, mais qui eh bien, maintenant peuvent espérer, peuvent rêver ce soir d'un maillot de leader sur l'Alpe d'Isère Tour. Exactement, oui. Alors, puisque Lilian, tu parlais de bonification, il est important de rappeler qu'il y avait un premier sprint bonification à Viriville, le sprint en or polar, donc au kilomètre 25. Le deuxième à La Saône, c'est-à-dire quand on franchit la rivière Isère, donc au kilomètre 95. Et le troisième sprint bonification, eh bien, il aura lieu à Auberive-sur-Varèze, au kilomètre 165. Et quelques informations justement avec les leaders sur ces sprints, puisque dans la traversée de Viriville, c'est Jordi Warlop qui était allé chercher des points pour conforter le leadership du classement par points. Et attention, Oscar Honley prenait déjà 2 secondes de bonification en passant deuxième. Daniel Arnès était troisième. Sur le deuxième sprint, c'est Alessio Martinelli qui était allé chercher les points et surtout les bonifications. Lennart Van Etveld prenait 2 secondes et Johannes Kulseth prenait 1 seconde. Et bien, ces trois garçons qui sont à l'avant de la course. Donc pour l'instant, au jeu des bonifications, ce serait Alessio Martinelli qui serait maillot jaune ce soir, l'Italien de la formation Green Project. Oui, tout à fait, effectivement. Donc Alessio Martinelli, donc de la Green Project Bardiani CSF, qui porte ce beau maillot vert et le dossard numéro 2, donc en queue de groupe, là, de ce groupe de tête actuellement, Alessio Martinelli, donc qui est l'un des leaders de cette formation avec Lorenzo Conforti, lui aussi, donc qui se trouve à 21 secondes, mais qui ne figure pas dans ce groupe de tête. Donc on a délégué aujourd'hui Alessio Martinelli pour aller faire le travail, effectivement, et ce qu'il fait d'ailleurs très très bien au sein de cette échappée. Aujourd'hui, donc, dans ce département de la Drôme, avant de rejoindre celui, bien entendu, de l'Isère. On voit effectivement de très 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 beaux paysages ici, alors que les coureurs vont rejoindre la localité de Haute-Rive et le palais idéal du facteur cheval. Il y aura ensuite donc l'ascension à la sortie d'Haute-Rive de la côte d'Haute-Rive, classée en quatrième catégorie. C'est une côte qui est répertorié donc en quatrième catégorie, qui développe 2 km 200 à 5% de moyenne. Mais on s'aperçoit qu'effectivement on est toujours en prise, hein, dans ce final d'étape, alors que les coureurs sont à 54 km de l'arrivée. On est sur des routes à gravillon, donc des routes qui avec le soleil et peut-être un goudron qui commence à fondre, c'est des routes où le rendement, il n'est quand même pas effectivement au top niveau. C'est loin de ce qu'ils ont pu connaître en tout cas hier sur l'Est lyonnais, sur des portions beaucoup plus rectilignes, beaucoup plus larges. On aborde ici des petites routes pour animer l'Alpe d'Isère Tour et surtout des routes maintenant pentues, et on le voit avec ces relances incessantes. Et on n'aperçoit plus que 5 coureurs en tête. Alors soit Brinsrud est en train d'être ravitaillé, soit il n'est plus là pour la formation UNOX, ici représentée par Kulseth. Mais on a perdu Magnus Brinsrud dans ce groupe maintenant. Oui, c'est dommage, hein, pour la formation UNOX, parce qu'ils avaient deux coureurs en tête de course. Il ne reste plus que Johannes Kulseth, le dossard 91, 35e du général, lui aussi à 21 secondes, comme on le disait tout à l'heure. Et là, on voit que les coureurs appellent les voitures pour des ravitaillements. C'est vrai qu'aujourd'hui... Alors qu'on est en train d'apercevoir, essayer de retrouver sur quel groupe on est, ça doit être ici donc l'ancien groupe de favoris.
dans lequel on a aperçu Colin Savios pour la Groupama FDJ qui semblait un petit peu en difficulté. Ici, c'est Tao Kemere qui est en train de faire son retour. Par contre, dans ce groupe, il avait été distancé tout à l'heure. Eh bien, il s'accroche au courage pour les couleurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Ah, c'est sauf qui peut. On aperçoit Golliker pour la Groupama FDJ qui s'accroche également à l'arrière de ce groupe. Kemere qui a été revenu. Et puis, finalement, il en manque encore un petit peu. Pour un garçon, alors j'aime bien citer quand même une ligne de son palmarès qui est d'avoir gagné l'étape du Tour, la cyclosportive, au moins qui parle à tous les passionnés de cyclisme dont beaucoup ont eu l'occasion de participer au moins une fois dans leur vie à l'étape du Tour. Et bien Théo Kemere, il l'avait remporté. Voilà, cela montre la qualité de grimpeur d'un garçon comme celui-ci qui par ailleurs avait brillé sur le Tour du Chablais et le Tour du Beaujolais. Mais ici, il a du mal à accrocher ce groupe alors que l'on retrouve bien 5 coureurs. Ici à l'image, en tête de course, avec un garçon, Magnus Brinsrud, qui est annoncé à 20 secondes. Oui, tout à fait. Donc, qui a dû connaître une défaillance. Donc, et c'est à peu près évident. Aujourd'hui, il est clair que la chaleur risque d'avoir son importance et les difficultés donc répétées qui sont proposées aux coureurs là dans ces 100 derniers kilomètres, plus la chaleur, plus une route qui n'a peut-être pas un rendement excellent, plus le goudron qui peut fondre par-ci par-là. C'est vrai qu'on a des conditions quand même de course qui sont difficile pour les rescapés de ce peloton. Lilian Couillet disait tout à l'heure, donc effectivement, ils étaient 122 au départ à Monsteroux milieu, donc départ qui avait été donné à 11h30 précise, départ qui était fictif bien entendu, le départ réel ayant été donné quelques 5 km plus loin dans la localité de Courébuis. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les coureurs affrontent des conditions climatiques auxquelles, bien entendu, ils n'étaient pas très habitués jusqu'à présent. Et notamment, on a connu, et les coureurs, bien sûr, ont connu un mois de mai sous le froid et la pluie. Là, maintenant, on a des grosses chaleurs. Alors, c'est vrai que ça peut avantager certains. Il y a des coureurs qui sont très à l'aise dans le chaud et dans les grosses chaleurs. Et puis, il y en a d'autres qui, effectivement, qui redoutent ces conditions météo. Ça peut aussi ça peut avoir des conséquences, la chute. Petit moment de déconcentration. Et j'allais dire, justement, on était en train de se relever. Tout le monde profitait d'un petit temps de ravitaillement. Et c'est là qu'on a manqué de vigilance pour un coureur de la groupe AMFDJ qui est parti au sol. Alors, ouais. Le garçon était debout, heureusement. Pour le matériel, on fera le point, c'est secondaire. Mais voilà, c'est Joshua Golliker hein, qui est allé au sol. Vu qu'on a vu à l'avant mercredi sur l'étape de Charvieux-Chavagneux. Et bien ici, parti à la faute, le dixième du classement général qui s'est retrouvé au sol. Alors que le groupe de tête, lui, va continuer sa marche en avant avec 5 coureurs et un troisième groupe. Donc j'allais dire qu'il semblait presque se relever. Alors... c'est peut-être un peu exagéré, je crois que simplement on avait besoin de souffler, de se ravitailler. Mais attention parce qu'on est en train de laisser partir 5 des archi-favoris de l'Alpizer Tour dans son édition 2023. Taimann Graat, Johannes Kulseth, Alessio Martinelli, Lennart Van Helvet et Oscar Honnelly. Et si on la laisse un petit peu de champ aujourd'hui, demain, malgré le parcours très difficile proposé en Chartreuse, eh bien pas sûr qu'on puisse aller les rechercher. Donc attention à cette phase de course qui est importante. On va revoir, je crois, la chute. Voilà, tout le monde est en train de se ravitailler. Et puis là, d'un seul coup, bon, on part au sol pour Golliker. Apparemment, donc chute sans gravité quand même, heureusement. Oui. Mais comme quoi, on s'aperçoit qu'effectivement, si on relâche un peu la tension, on peut partir très très vite à la faute dans ce genre de course. Ça s'est passé dans un faux plat descendant, hein, finalement, dans une ligne droite. Hein, donc des endroits où on ne pense pas à la faute. Alors que voilà, nous arrivons maintenant dans la localité d'Auterive. Voilà, les coureurs donc vont traverser Auterive pour virer sur la gauche et entamer donc l'une des dernières ascensions de la journée. Je dis bien l'une des dernières parce qu'il restera ensuite le carrefour de l'Arbre et la côte du Colombier. Mais là, c'est vrai qu'il vira donc sur la droite maintenant pour entamer cette côte d'Auterive. On a beaucoup de côtes, Lilian, qui font 2, 3, 4 kilomètres.
ne sont pas forcément des côtes, disons, très pentues, mais la répétition, effectivement, de ces efforts va avoir des conséquences extrêmement importantes, à mon avis, sur cette course. On parlait, effectivement, de grandes classiques comme Liège-Bastogne-Liège qui ont des profils à peu près identiques, même si sur Liège, c'est peut-être plus pentu, mais c'est en tout cas les mêmes kilométrages. Et c'est toujours. Donc pas une surprise de retrouver un Belge à l'avant, hein, avec Van Etbelt et avec Oscar Henley, avec Diamond Grat ici à l'image pour la Jumbo Visma, avec Kulset, le Norvégien de la formation UnoX, et puis un Italien, Alessio Martinelli. Alors que le groupe 3 est en train de traverser au trim, on a toujours un groupe intercalé. On essaiera d'en reprendre la composition dans quelques minutes. Mais pour l'instant, eh bien, on voit qu'on laisse filer dans ce troisième groupe. Maintenant, un écart de 1 minute 25. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que dans le groupe de tête, effectivement, on n'a que des favoris. Hein, donc, ce n'est pas une surprise, bien entendu. Mais je dirais qu'ils ne creusent pas, finalement, par rapport au deuxième groupe qui ne se trouve qu'à 20 secondes. On s'aperçoit que l'écart qui nous est donc communiqué, bien entendu, et j'espère que c'est le bon écart, on s'aperçoit qu'effectivement, donc on tourne toujours autour de la vingtaine de secondes. Et le groupe de tête qui vient donc de virer à droite a aperçu le groupe poursuivant, donc qui n'est lui qu'à 20 secondes, et j'allais dire un virage en dessous. Et avec la composition qu'on va pouvoir confirmer de ce deuxième groupe qui est un petit peu plus conséquent que ce que l'on avait en tête, avec la présence de Charles Page pour Bourg-en-Bresse Cycling, de Pepijn Reinderink, il est bien là pour la Soudal Quick-Step, Brinsrud donc qui a été repris, qui était présent dans l'échappée juste avant, Brio Roland est là pour la Groupama FDJ Continental, et Finlay Pickering, l'un des autres favoris hein, de Saltalpe-Isère Tour, qui est également présent dans ce groupe à 20 secondes. Donc là, s'il y a une jonction entre ces groupes, cela deviendrait particulièrement intéressant. Alors que dans le groupe qui suit, eh bien, attention à ne pas justement se faire enterrer avec Yael Joalan et Jordan Jegan notamment. On retrouve la présence à l'avant, je crois que c'est Tao Kemere qui est revenu et qui se remet à la planche pour essayer de ramener Rémi Capron. Alors ça, c'est remarquable. Kemere qui était vraiment en difficulté tout à l'heure, et bien ici qui laisse les forces qui lui restent encore pour essayer de réduire l'écart, parce qu'on a pris conscience tout simplement que là on était peut-être en train de laisser filer un top 5 voire un top 10, parce que s'il y a jonction entre les deux groupes de tête, je ne vais pas dire que l'Alpes-Isère Tour est plié avant la Chartreuse, puis il faudra encore se départager entre eux, mais pour ceux qui se sont fait piéger dans cette étape, ça va être très très compliqué d'envisager un bon résultat demain au classement général. Et je suis d'ailleurs un petit peu surpris de voir ici à l'arrière du groupe, alors peut-être pas dans un grand jour, mais Yael Joalan pour la formation CIC Unantes Atlantique qui laisse un petit peu couler pour l'instant dans ce groupe, alors qu'il fait partie de ceux dont on attendait beaucoup aujourd'hui. Oui, tout à fait. Cela étant, bon, on voit que l'écart maintenant entre le premier groupe, donc le groupe de tête et les poursuivants immédiats, est remonté à 35 secondes. Donc peut-être que là aussi, il y a des informations qui ont été communiquées sur le bord de la route. C'est possible aussi, bien entendu. Toujours est-il que rien n'est joué. Même le groupe 3, qui n'est qu'à 1 minute 25, peut toujours revenir. Nous sommes quand même à près de 50 km. Même nous, si l'on est rentré dans les 50 km, les 50 derniers kilomètres de cette étape, je pense que rien n'est totalement définitif, bien entendu. Et c'est vrai que Rémi Capron, le coureur de Doris en Oisan, qui est un véritable grimpeur, peut encore avoir une carte à jouer, bien qu'il soit déjà un petit peu loin. Mais c'est vrai qu'emmené par un coéquipier comme Tao Kemere, je crois qu'effectivement, on peut trouver difficilement mieux. Et c'est tant mieux pour Rémi Capron, alors que les 5 hommes de tête là, viennent de passer au sommet de cette côte de haute rive. Et je crois que c'est Kulset qui a pris les points devant Martinelli et Van Etbelt. Donc Johannes Kulset qui vient chercher quelques points supplémentaires. Maillot de meilleur grimpeur. On fera les comptes tout à l'heure, parce que finalement on a eu des coureurs différents à chaque Grand Prix de la Montagne qui sont passés en tête. Donc on refera les comptes tout à l'heure, pour voir si Gabriel Fédé conserve ce maillot.
La côte d'Autriche qui est franchie, et puis il reste encore deux ascensions, la côte du Carrefour de l'Arbre et la côte de Colombier. Pour l'instant, en tout cas, Gabriel Fédé tient bon hein, avec son maillot. Il avait vraiment fait le break l'autre jour. Et surtout, on n'a pas un coureur qui domine ici. On va revoir le passage au sommet. On n'a même pas disputé le sprint. Finalement, Kulseth a pris les points devant Martinelli, Van Etvelt. On a d'autres chats à fouetter, j'ai l'impression, pour ce groupe de tête. Et notamment la victoire d'étape et le classement général. Alors que c'est ravitaillement pour tout le monde. À la voiture pour la Jumbo-Visma. La voiture neutre pour l'équipe Uno X qui a dû être coincée au deuxième échelon de la course. Le bar est ouvert. Oui, c'est vrai que les hostilités aussi. Hein. Ah, on est déjà au sommet. Et les hostilités, alors que voilà le groupe, donc le groupe de Yael Joalan qui vient lui aussi de passer au sommet, un groupe conséquent hein, finalement. Oui, dans lequel on retrouve d'ailleurs Michael Boros hein, encore ouais. L'un des leaders du classement général, maillot bleu sur les épaules, qui était toujours là pour l'équipe Elkhoff. Bah, la voilà, la voiture du NoX. quand je disais qu'elle était coincée, l'illustration par l'image, on est sur des routes étroites, on a du mal à doubler le peloton ici. Donc pour le... Il est difficile pour les directeurs sportifs de pouvoir ravitailler tous les groupes. Hein. C'est vrai qu'il ouais. Il est donc fort dommage pour la UNOX qu'un garçon comme Magnus Brinsrud n'ait pas pu garder le contact avec les hommes de tête, parce que ça facilite quand même le ravitaillement quand on a un, deux, trois coureurs en tête de course. Allez, avec ce peloton qui continue de perdre un petit peu de terrain. Alors non, l'écart qui oscille, on va essayer d'y voir plus clair. On aperçoit à l'arrière de ce groupe donc Michael Boros, avec également pour l'équipe Metex Solarwatt, Taille de Langue, 8e du classement général l'année dernière. Et ici, pour l'instant, pas en mesure non plus de bosser à l'avant de ce groupe pour le ramener. C'est vrai qu'on va avoir du mal à s'organiser, j'ai l'impression, pour ce groupe de coureurs. Groupe de coureurs qui continue de s'étirer, de demander du ravitaillement. Et on ne parvient pas à s'organiser. À noter la présence également de Morgan Bone pour le C Saint-Étienne-Loire, que l'on a aperçu au milieu de ce groupe. On a les coureurs de Bourg-en-Bresse avec Charles Page. Il me semblait qu'on avait Mathis le Turnier également. Alors on va retrouver ces images dans un instant, peut-être juste avant de reprendre le fil de ces 45 derniers kilomètres, entendre les mots également de Madame Sylvie Desarnaud, la présidente de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, qui est le théâtre de cette quatrième étape. Eh bien nous y voilà pour cette 32e édition de l'Alpizère Tour, très heureuse de vous retrouver. Un beau partenariat que nous avons avec l'Alpizère Tour et la commune de Saint-Maurice-d'Exil. Un petit coucou à Philippe Gentil. Donc cette année, nous serons donc le 27 mai tous à l'écoute et sur les bords des routes pour saluer ce bel événement sportif. Au départ de Monster au milieu, une arrivée à Saint-Maurice-Exil, une quatrième étape avec encore un très très beau parcours concocté par les équipes de Michel Baupe, 180 km, 13 communes de notre intercommunalité traversées, encore un beau moment sportif d'encouragement et de solidarité. Donc soyez au bord des routes, soyez là pour encourager tous ces sportifs de haut niveau. Encore quelques jours festifs autour du cyclisme reconnu sur notre département. Alors un petit clin d'œil, moi qui suis une cycliste du week-end, de balade, nous avons ici sur notre belle interco des plaines et collines, mais également un joli morceau de Viarona qui fait la joie des petits et des grands. Très belle 32e édition à vous toutes et à vous tous.
Allez, 43 km de l'arrivée. On revient sur les images du direct dans cette portion descendante avec 5 coureurs en tête. Johannes Kulseth pour la Uno X, Alessio Martinelli pour la formation Green Project, Diamond Grat pour la Jumbo Visma, Oscar Honnelay pour le team DSM, Lennart Van Etvelt pour la Lotto Destiny. 5 grands favoris qui ont répondu présents dès cette quatrième étape, avant même l'étape reine de demain, présent à l'avant ici à peu près une heure. Ah, peut-être un petit peu plus, selon l'allure du dénouement de cette quatrième étape. 41 km 500 encore à parcourir. On revient sur des routes un petit peu plus larges, alors que l'on profite d'un temps de ravitaillement, encore une fois, pour les coureurs qui sont présents dans le groupe derrière, avec Mathis Lebeau ici au ravitaillement, lui qui était passé en tête tout à l'heure au col du Petit Mont Noir, point culminant de cette étape à 1280 mètres d'altitude, dans un groupe qui perd du terrain 1 minute 30, alors que l'on vient à la fois au ravitaillement et aux consignes pour les coureurs que vous apercevez ici à l'image dans le groupe de tête, puisqu'il y a 45 secondes d'avance sur un groupe de contre-attaque dans lequel on retrouve notamment Finlay Pickering, l'un des favoris également de l'Alpizer Tour, qui s'est retrouvé un petit peu piégé dans cette phase de course avec un groupe qui est le groupe 3 à 1 minute 30, qui ne parvient pas à s'entendre. La preuve en est que quelques coureurs tentent de s'en extirper. C'est le cas pour deux coureurs amateurs qui viennent de sortir, Rémi Capron pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais et Martin Ciotta, le coureur norvégien de Bourg-en-Bresse en cyclisme, qui sont maintenant intercalés. Oui, ça c'est une belle information effectivement pour Rémi Capron, alors que les 4-5 coureurs de tête actuellement donc se dirigent dans la traversée de Saint-Sorlin en Valoir. Au plus bas donc de la moyenne proposée, il devait passer à 15h27, donc on est dans une moyenne à peu près de 38 km/h, ce qui est pas mal, parce que quand on voit effectivement qu'il a fallu affronter les 13 km du Petit Mont Noir dans le Vercors, 13 km d'ascension à près de 8% de moyenne, ça reste quand même une moyenne élevée. Et je pense que on va situer l'arrivée à Saint-Maurice-d'Exil autour de 16h20 à peu près. Ça va aller beaucoup plus vite effectivement dans ce final d'étape, final qui est quand même moins tortueux et je dirais moins sinueux effectivement que les 100 premiers kilomètres qui étaient proposés aux rescapés de cette Alpizer Tour. En tout cas, après donc Saint-Sorlin en Valoir, on y verra déjà plus clair. Ici, voilà donc le groupe des 5. Dans cette traversée de Saint-Sorlin en Valoir, on est en pleine descente là actuellement et ça va bien entendu très très vite pour rejoindre les localités d'Épinouse et entrer enfin dans le département de l'Isère. Alors que derrière, on est en train de tous remonter d'un cran. On a vu les véhicules sportifs, les véhicules de sécurité, les véhicules arbitres remonter d'un cran, signe que l'écart augmente encore pour un groupe numéro 3 pointé à 1 minute 30, même un petit peu plus, dans lequel on avait aperçu sous les couleurs de la formation Elkhoff, Matej Zalka, le champion de République tchèque. On avait Michael Boros, on avait Mathis Lebeau pour Charvieux Chavagneux Isère Cyclisme. J'ai aperçu également Joris Chaussinant pour AG2R Citroën U23, le grimpeur qui se retrouve piégé là aussi dans un troisième groupe. Donc la situation qui se clarifie de plus en plus malgré tout, avec une entente qui aussi à l'avant de la course, même si on est bien lancé, vous le voyez à 50 km/h, on commence à s'observer un petit peu. Regardez l'Italien Martinet qui saute un relais, l'air de rien. Alors cela doit peser dans les jambes, jusque là on est totalement d'accord, mais je crois que tout le monde a mal et que là il va pas falloir trop sauter de relais, sinon la tension va monter dans ce groupe de tête. Oui, groupe de tête qui a déjà plus de 140 km dans les jambes, c'est déjà pas mal. En plus, c'est la quatrième étape, donc c'est vrai que le quatrième, le cinquième jour ne sont pas des jours très faciles et on voit que certains coureurs sont assez impatients de ne pas avoir de ravitaillement. On a aperçu d'ailleurs des gestes d'énervement de Johannes Kulseth, le coureur de la Uno X de SAR 91, qui, à mon avis, souhaitait être ravitaillé, notamment en eau, assez rapidement. Et les coureurs, là, vont consommer un nombre incalculable de bidons sur ce genre d'étape. C'est vrai qu'on voit maintenant la voiture de la Green Project remonter. Alors que l'on aperçoit ici à l'image
Rémi Capron et Martine Ciotta donc, qui sont bien lancés derrière le premier groupe de compte. Donc on n'a pas l'écart affiché hein, pour ce groupe. On rappelle 5 hommes en tête, un premier groupe de compte à 45 secondes qui vont voir revenir dans leur sillage au prix d'un sacré effort. Martine Ciotta, lui qui avait brillé sur le Tour de Saône-et-Loire, qui a déjà levé les bras à plusieurs reprises cette année. Il a brillé en Coupe de France National 1, le plus haut niveau amateur il y a quelques semaines. Il est en forme, il ramène avec lui Rémi Capron, lui qui était déjà rentré dans le top 15 l'année dernière du classement général de l'Alpizer Tour, qui semble même caresser la pédale. Alors facile à dire là aussi quand on est devant son écran de télévision comme nous, mais pour l'instant sacré effort et qui va payer, puisqu'en quelques kilomètres à peine, Rémi Capron et Martine Ciotta vont revenir à hauteur du deuxième groupe, pointé à 45 secondes. Donc de la tête, et même profiter un tout petit peu des voitures qui étaient intercalées, et bien c'est le jeu. En plus, ce ne sont pas les voitures de leur équipe, donc l'air de rien, on se balade, on prend un tout petit peu d'aspiration. Et puis on va revenir, surtout pour Rémi Capron et Martine Ciotta, revenir à hauteur de ce deuxième groupe. Le dernier écart qui m'était communiqué était de 45 secondes. On va essayer de le confirmer dans un instant, on a 30 secondes à l'écran. Donc... Oui, 30 secondes qui étaient confirmées au dernier pointage. Donc attention, peut-être un regroupement dans lequel on retrouverait alors deux coureurs amateurs. Ces deux-là qui viennent tout seuls, comme des grands, d'effectuer la jonction. Voilà, tout à fait. Pour Rémi Capron, effectivement, cet Alpizer Tour, il ne faut pas l'oublier. C'est un véritable objectif alors que les hommes de tête traversent la localité d'Épinouse. Rémi Capron, donc, c'est le Dossard 181. C'est le couleur du Vélo Club Villefranche Beaujolais. Il est 33e au général, mais seulement lui aussi à 21 secondes, hein, entre parenthèses. Et j'ai oublié qu'on avait un autre amateur hein, devant, c'est Charles Page pour Bourg-en-Bresse. Image assez amusante, c'est qu'il a vu revenir Martine Ciotta et l'a regardé d'un air de dire tiens, bah t'es là, je ne m'y attendais pas. Et effectivement, on ne s'attendait pas, je crois, à voir revenir des coureurs de l'arrière, en tout cas aussi vite. Alors que l'on retrouve ici à l'image Finley Pickering, on a Reindering juste derrière, Artiem Schmidt ici pour la formation Hagens-Bermann, c'est Brio Roland pour la groupe AMA FDJ. On retrouve Adam Tupalik avec les couleurs de la formation Alcoff, Magnus Brinsrud qui n'avait pas pu accrocher le wagon tout à l'heure, Charles Page pour Bourg-en-Bresse, Rémi Capron et Martine Ciotta. On a l'inventaire, donc 7-8 coureurs lancés à la poursuite de ces 5-là. Et c'est là aussi donc un très beau groupe, entre parenthèses, avec beaucoup de coureurs classés à 21 secondes du maillot jaune, tout simplement. Rémi Capron donc, et Martine Ciotta, donc, eux aussi sont à 21 secondes. Là, ils sont, comme vous le voyez, donc, en queue de groupe. Ils essayent bien sûr de récupérer et de prendre quelques bidons au passage auprès de véhicules neutres. Mais c'est vrai que là, ils ont dû fournir quand même un bel effort pour revenir sur ce groupe. Il va falloir, je pense, faire une petite pause, pour une pause de récupération en tout cas pour ces deux coureurs, avant, qui sait, effectivement, de prêter main forte à ce groupe. Ils en ont peut-être effectivement bien besoin de cet apport, et c'est vrai qu'on n'est jamais assez dans une contre-attaque pour pouvoir bien entendu rouler et assurer une part de travail non négligeable. Voilà, dans la plaine là maintenant, le groupe de tête. Et travail remarquable des véhicules d'assistance neutre. Je pense qu'il faut le oui, dire aussi, oui, parce oui, qu'on a vu que ce n'était pas évident pour les directeurs sportifs d'aller ravitailler tout le monde. Eh bien, les véhicules neutres, c'est le rôle, c'est dans l'appellation. Hein. Ils sont là pour tout le monde. Mais voilà, on a vraiment joué le jeu ici. Et, je crois que les coureurs n'ont manqué de rien. Donc chapeau au travail de l'organisation et des voitures neutres qui permettent à tout le monde d'être ravitaillé avec... Ici Brinsrud qui cherche à se débarrasser de sa bouteille. Alors, Charles Page à l'image. Que nous allons entrer dans le département de l'Isère, mon cher Lilian, puisqu'il nous reste un petit peu moins maintenant de 35 km et que la localité qui va être traversée par les coureurs, donc Bouger-Chambalu, et se trouve, elle, on va dire, à la frontière entre l'Isère et la Drôme des collines, bien entendu. Une belle région, entre parenthèses, avec de l'herbe encore très, très verte, malgré les chaleurs plus qui plus sont pour longtemps. Peut-être plus trop pour longtemps, effectivement. En tout cas, vraiment, on peut dire que les organisateurs, et notamment les personnes chargées de dessiner ces étapes,
ont eu du nez et vraiment, en tout cas, ont dessiné aujourd'hui une très, très belle étape. C'est en fait un aller et retour. Voilà, donc un peu d'ombre que les coureurs vont apprécier, ça c'est en un point douté. Effectivement, donc, on a traversé l'Isère, on est entré dans la Drôme. Là maintenant, on sort de la Drôme pour retrouver l'Isère. Mais c'est vrai que c'est une belle boucle de près de 190 km qu'on a appelée entre Biévérone et les contreforts du Vercors. Puisque nous sommes partis, je le rappelle, de Monsterau-Milieu. Monsterau-Milieu, donc c'est une des communes de la Comcom Hébert entre Bièvre et Rhône et que nous allons retrouver maintenant dans trois quarts d'heure, peut-être un peu moins, Saint-Maurice-l'Exil, terme de cette quatrième étape, donc qui est le siège d'ailleurs de cette communauté de communes d'entre Bièvre et Rhône. Et l'arrivée aura lieu juste en face d'ailleurs du siège de cette communauté de communes. Et l'écart qui est remonté, 50 secondes, 33 km, ça va être un final intéressant là aussi, avec des coureurs à l'avant dont on entend d'ici la souffrance. J'ai l'impression qu'on passe un sale quart d'heure pour Alessio Martinelli, qui avait déjà sauté des relais tout à l'heure, et là je pense pas qu'on bluffe, mais il a vraiment pas le même style que d'autres coureurs un peu plus à l'aise, Van Etvelt notamment, et regardez à l'avant du groupe de compte, c'est Capron lui-même qui relance pour ne pas voir s'échapper trop loin les espoirs d'un top 10, d'un top 5, voire d'un podium au classement général pour Rémi Capron qui fait une saison exceptionnelle. Vainqueur à Appuy-Loubiers au Grand Prix de Vougie, qui est l'une des grandes classiques du calendrier national en Auvergne-Rhône-Alpes. Vainqueur du Grand Prix de Saint-Étienne, autre grande classique du calendrier national sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes et qui attend un petit peu de renfort. Et le problème, c'est pas qu'on veut pas, hein, c'est que je crois qu'il y en a plus sous la pédale du côté des autres coureurs. D'ailleurs, on saute le relais pour Finlay Pickering qui a laissé un trou. Artiem Schmidt a déjà fourni beaucoup d'efforts depuis le début de la semaine. Brinsrud est toujours avec sa bouteille d'eau pétillante dont il n'arrive pas à se débarrasser. Donc l'écart n'est pas prêt de descendre pour l'instant. Oui, tout à fait. Et on a vu effectivement que Rémi Capron essayait d'organiser cette contre-attaque. C'est pas facile hein, quand on a des coureurs qui ont des intérêts divergents et puis des coureurs qui certainement sont peut-être fatigués pour certains, voire peut-être pour la plupart d'entre eux. En tout cas, Rémi Capron a fait un tempo de quelques kilomètres et là maintenant, il a repris effectivement sa destinée en main. Rémi Capron, c'est le profil type, c'est l'archétype du grimpeur, hein, ce garçon. Un coureur qui est natif d'Oris en Oisans. Et quand on est né dans l'Oisans, c'est vrai qu'on est plutôt destiné à être grimpeur que sprinter. Ça, c'est une évidence. En tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un amateur au sein des professionnels qui fait merveille et qui montre, je dirais, tout son talent et ses qualités. Devant Lilian, on a quand même intérêt à s'entendre finalement. Oui, et on le voit, des relais qui restent appuyés, mais pas pour tout le monde. J'allais juste rappeler, hein, donc, du côté de Rémi Capron, puisqu'on parle des amateurs, et bien quelques amateurs qui, la saison dernière, déjà avaient été brillants. On se souvient de Valentin Retailleau qui allait remporter une étape quelques semaines avant son passage chez les professionnels. Thomas Deveau, qui avait signé un superbe classement général, lui qui était l'un des meilleurs amateurs la saison dernière et aujourd'hui professionnel dans les rangs de l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93. Et parmi les coureurs qui avaient déjà été brillants, et bien Rémi Capron, 13e du classement général, qui avait fait une superbe étape également le quatrième jour. Il affectionne visiblement ses routes entre Bièvre et Rhône et dans le massif du Vercors. Il était alors sous les couleurs de l'EC Saint-Étienne Noir, qui avait contribué à sa formation avant de rejoindre donc l'hiver dernier le vélo club Villefranche-Beaujolais. Et bien Rémi Capron qui continue de mûrir et qui aimerait bien le même destin qu'un Retailleau, qu'un Deveau, briller sur l'Alpizère Tour et puis passer chez les professionnels. On imagine que cela trotte dans la tête et ces épreuves sont l'occasion de s'exprimer, de se montrer justement pour essayer d'aller décrocher un contrat. En tout cas, aujourd'hui, il démontre à quel point il est fort. Pas sûr malheureusement que cela paye puisque l'écart est remonté à une minute maintenant.
Oui, tout à fait. Et puis, je dirais que le danger, c'est peut-être d'en faire un peu trop et de montrer qu'on est peut-être trop fort au sein du groupe. Et si Rémy Capron, effectivement, montre qu'il est trop fort, les autres vont peut-être le laisser faire et, je dirais, le laisser s'épuiser comme ça au fil des kilomètres. C'est délicat, hein, le vélo. C'est toute une, je dirais, une gestuelle et une gestion d'effort qu'il faut donc savoir réaliser, alors que les coureurs vont entrer dans la localité d'Anjou. Anjou se situe à 30 km 500 voilà, de l'arrivée. Les coureurs vont entrer dans Anjou et c'est dire qu'ils vont affronter ce carrefour de l'arbre qui n'a rien à voir avec celui de Paris-Roubaix. Donc Lilian Couillet en parlait tout à l'heure. Sur Paris-Roubaix, c'est pavé de bonnes intentions comme de mauvaises, mais c'est surtout pavé et c'est tout plat. Alors que là, vous allez découvrir une côte que les organisateurs donc, avaient pu découvrir il y a déjà 2 ou 3 années, je crois. Donc on avait déjà franchi cette côte du carrefour de l'arbre. Et c'est vrai que le final de cette côte est difficile, vraiment, vraiment difficile. Et ça risque d'en surprendre plus d'un. Je rappelle qu'au sommet, nous serons entrés dans les 30 derniers kilomètres. Voilà le pied de la côte, donc, du carrefour de l'arbre, pied de côte. Donc, une côte qui est relativement courte, puisqu'on indique déjà le dernier kilomètre hein, de cette ascension. C'est vrai que c'est une côte qui est courte, mais disons, c'est vraiment un casse-pâte qui va en surprendre pas mal. Ouais, 10% de pente moyenne sur un kilomètre, un petit mur, comme s'il n'y avait pas eu assez de difficultés jusque-là. Et on va voir comment on le passe, à la fois du côté du groupe de tête et puis derrière, si justement cette côte du carrefour de l'arbre est l'occasion pour un ou deux coureurs assez forts et bien d'aller alors faire le jump pour boucher 1:10. Ça paraît ambitieux, mais essayer de se débarrasser bien des camarades qui ne font pas exactement leur part du travail, alors que Tymon Graat peine un petit peu. Il n'est pas au mieux, à mon avis, hein, le coureur de la Jumbo, Visma, donc de Sar 42, 30e au général, lui aussi à 21 petites secondes. Eh bien, effectivement, il va avoir du mal, à mon avis. Il a l'air de gérer ouais. L'effort. C'est vrai qu'il a un braquet un petit peu plus souple que les autres. Pour l'instant, cela lui permet de tenir. Ouais, il aura peut-être du mal à finir, effectivement. Avec ses 4 autres compagnons d'échappée, on va dire. Hein. Le groupe 2 donc, à 1:10, le groupe 3 à 2:10, donc, alors qu'il y a seulement une trentaine de kilomètres. Voilà, nous, on va rentrer dans la zone la plus pentue de ce carrefour de l'arbre. Les coureurs sont dans la traversée du vieux village d'Anjou. Et nous ne sommes plus qu'à 500 mètres maintenant du sommet de cette avant-dernière difficulté du jour. Et là, donc, ils vont découvrir dans quelques instants un virage sur la droite, un virage en épingle à cheveux, mais alors vraiment un virage compliqué à négocier. Heureusement qu'ils sont dans le sens d'ailleurs de la montée, parce que c'est vrai que ça va faire très très mal. On a vu un tout petit palier au moment de traverser le village et puis cela repart de plus belle. Alors dans ce groupe, eh bien, on se met à la planche pour Charles Page avec également donc Pepijn Reinderink que l'on aperçoit ici, qui relance l'allure pour la formation Soudal Quickstep avec derrière le coureur de la formation à Elkhoff, Dominik Neumann. Et on relance un petit peu l'allure. Hein. Brieux Roland en troisième position avec Martin Ciotta toujours vigilant. Capron qui est venu se repositionner derrière. Hein. On fait une montée intéressante hein, malgré tout pour ce groupe ici installé en contre-attaque avec un écart qui était communiqué de 1:15. Mais sous l'impulsion de Pepijn Reinderink, elle est peut-être l'opportunité d'aller réduire. Et je m'excuse, hein, ce n'était pas Neumann, mais bien Adam Tupalik pour la formation Elkhoff en deuxième position. Brieux Roland qui semble bien à l'aise. En revanche, pour la Groupama FDJ, maillot grand ouvert, mais avec un coup de pédale relativement aérien. Oui, on aperçoit la pente hein, très très forte à ce niveau, effectivement, alors que les coureurs vont affronter les derniers hectomètres de cette difficulté. Voilà le fameux
Non, ce n'est pas le virage à droite encore, mais ça ne va pas tarder. Et effectivement, donc, une difficulté de plus. Il en restera encore une, la côte du Colombier, au kilomètre 175. Voilà donc Pepijn Reinderen qui emmène ce groupe de contre. On serre les dents derrière. Rémi Capron qui ferme la marche finalement. Adam Tupalik en deuxième position. Le voilà, ce fameux virage à droite. Ouais. Dont tu parlais, Jean-Claude. Roland est là, Tiota est là. Et pour l'instant, Pickering en cinquième position. Voilà, pas d'inquiétude pour aucun de ses coureurs. Avec le gros relais ici pour cette formation Elkhoff d'Adam Tupalik. Ok, même homme en difficulté, Pepijn Reinderen derrière. On a relancé fort. Et on a hâte d'avoir l'écart qui est toujours communiqué à 1 minute 15. Mais on a fait même un petit trou pour Adam Tupalik, le tchèque de la formation Elkhoff. Reinderen qui a fourni un gros effort et qui peine à l'accentuer encore. Brieux Roland juste derrière. Et c'est Martin Ciotta qui a l'air finalement le plus fort, le plus frais pour l'instant. Et qui vient boucher le trou au moment où l'on va aller franchir le sommet de cette difficulté. Allez, on va souffler, retrouver tout le monde. Dans la descente. Tout le monde dans la descente. Voilà, une ascension pour ponctuer finalement les 30 derniers kilomètres avec le passage au sommet où a priori Kulseth est allé chercher les points. On va profiter de cette descente pour rappeler un petit peu les échelons de la course puisque notamment le maillot jaune est relégué loin derrière. On n'a pas d'écart récent à communiquer, mais c'est certain maintenant que Clément Carizé se verra dépossédé tout à l'heure de son maillot jaune de leader. On va peut-être pouvoir écouter ce qu'il nous en disait justement Clément Carizé tout à l'heure, l'occasion d'écouter ce qu'il pensait avant le départ. Et c'est vrai, malgré tout, Clément Carizé ne se faisait pas trop d'illusions. On va l'écouter. C'était une journée parfaite. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. Il va falloir tenir face aux grosses armadas. Oui, c'est ça. En plus, l'étape est difficile. On a reconnu une grande partie de l'étape, on sait à quoi s'attendre. Il y a aussi beaucoup de kilomètres et oui, voilà, ce week-end, c'est le week-end qui va dessiner le classement général final, donc on s'attend à de la bataille. Alors justement, tu parles d'une étape longue, toi qui as fait plusieurs passages chez les professionnels, pas de quoi te décourager ici, tu pars avec l'avantage de l'expérience sur la gestion d'une étape comme celle-ci. Oui, voilà, après même au niveau récupération, enchaîner les jours, c'est pas... Voilà, chez les professionnels, c'est pas vraiment un problème. Donc, c'est sûr que d'avoir pu faire des années chez les pros, ça va m'aider sur la distance et sur la récupération. Comment il s'appelle ton jeune coéquipier là ? Gabin. Gabin, il avait l'air fier de son papa. Je crois qu'on peut applaudir Clément et Gabin, bien fort sur le podium. Merci à toi. Voilà, c'était tout à l'heure au départ, à l'occasion de la présentation des équipes. On avait un Clément Carizé tout sourire. Sourire un petit peu plus crispé tout à l'heure dans les grosses difficultés. Il aura marqué l'Alpizer Tour, Clément Carizé, avec cette équipe de Charvieux-Chavanne-Isère Cyclisme. Une victoire exceptionnelle hier. Aujourd'hui est un autre jour. Voilà, c'est le sport. Oui, c'est le sport et c'est le vélo. En tout cas, ce que l'on peut dire et surtout retenir, c'est que Clément Carizé est tombé les armes à la main. Il a vraiment livré un très très beau baroud d'honneur dans cette quatrième étape. Il tombe, on peut le dire aujourd'hui, avec les honneurs. Il aura bien défendu ce maillot jaune. Et c'est vrai, quand on a le maillot jaune sur les épaules, on est transcendé. On va effectivement tout donner pour le garder, ce qu'il a fait, ce qu'il a effectivement pu faire tout au long de ces kilomètres qui défilent, puisque nous sommes maintenant à moins de 30 kilomètres de l'arrivée de cette quatrième et avant-dernière étape. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un seul coureur français donc en tête, et on peut le pas regretter. Pas tous les jours, Jean-Claude. Et oui, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. C'est vrai sur l'Alpizer Tour, comme c'est vrai souvent dans la vie. Et là, donc, en tout cas, on a une belle brochette de coureurs étrangers, des coureurs qui sont, alors qu'on voit le panneau donc d'arriver à 25 kilomètres, les 25 derniers kilomètres donc de cette étape, on a
traverser les localités d'Anien. Donc, on se dirige maintenant en direction de d'Aubrive-sur-Varèze, où aura lieu le dernier sprint d'ailleurs de la journée. Voilà le balai incessant des directeurs sportifs. Je rappelle qu'ils ont été autorisés à ravitailler donc les coureurs jusqu'aux 10 derniers kilomètres de cette étape. Et je crois que les arbitres de l'Union cycliste internationale auront bien fait de prendre cette décision. C'est une sage décision, mais c'est une décision parfaitement légitime quand on voit et quand on connaît effectivement les difficultés du sport cycliste pratiqué sous cette chaleur accablante. Vous le voyez ici, donc Oscar Honley, donc qui est ravitaillé par le directeur sportif bien sûr de la DSM. C'est fou hein, de voir ces ravitaillements vraiment incessants. Ah, Oscar Honley, c'est hein, pour les équipes, effectivement. Pardon. Non, je disais simplement que Oscar Honley, c'est une véritable pointure. Hein. C'est un garçon qui est promis un très très bel avenir et je crois qu'il a signé un contrat professionnel chez DSM jusqu'en 2027. Ça prouve le talent de ce garçon. Et on peut dire, Lélian, qu'aujourd'hui, effectivement, dans le cyclisme moderne, justement, on recherche des talents et on est prêt à les faire signer pour 3, 4, 5 ans. Oui, les faire signer pour longtemps et les faire signer jeunes, c'est le cyclisme, en tout cas, tel qu'il est aujourd'hui. Et on ne manquera pas de suivre dans les années futures Oscar Honley qui a déjà signé une sixième place sur le Tour de Hongrie, cinquième d'étape sur le Tour de Romandie déjà en World Tour. Donc on le retrouvera régulièrement sur nos écrans de télévision et sur les épreuves World Tour à venir. J'ai une bonne nouvelle quand même pour un coureur amateur qui est Gabriel Fédé pour l'équipe AG2R Citroën U23 qui reste une structure amateur de haut niveau. Mais amateur tout de même, niveau national 1 en France. Et Gabriel Fédé qui va devoir s'empoigner pour franchir les lignes tout à l'heure. Il faut qu'il termine cette étape, mais s'il la termine, il conserve le maillot de meilleur grimpeur. Malgré toutes ces difficultés aujourd'hui, on n'a pas eu un coureur pour aller prendre tous les points. Vraiment, on s'est réparti les points. On va avoir beaucoup de coureurs dans ce classement, mais aucun pour remonter à la hauteur de Gabriel Fédé qui sera donc toujours leader, même s'il reste un Grand Prix de la Montagne dans les 10 derniers kilomètres qui sera classé catégorie 4, eh bien, il est maintenant impossible de revenir sur Gabriel Fédé. Donc ça, au moins, ce sera une bonne nouvelle pour AG2R Citroën U23. Voilà, et pour le coureur italien et sa famille, puisque son père lui avait dit, si tu as un maillot de leader sur les épaules, je suis prêt à faire le déplacement de Cuneo sur la France pour venir te féliciter. Ça, c'est plutôt sympa. Il faut quand même aussi souligner que Gabriel Fédé avait pour idole Marco Pantani en personne. Et ça explique aussi pourquoi Gabriel Fédé donc, aime la montagne et s'y comporte, disons, très très bien. Il lui reste bien sûr à franchir quelques cols pour être au niveau, bien sûr, du grand champion italien Marco Pantani. Et il lui reste quelques cols à franchir demain pour aller chercher le maillot de leader de la montagne. L'occasion de vous parler un tout petit peu de l'étape de demain avec un départ à Saint-Thibaud-de-Couze qui sera donné à 11h30 pour la grande étape de la Chartreuse, au cœur du parc de la Chartreuse. Départ à 11h30 pour 161 km. Alors les passionnés de cyclisme dans la région connaissent le triptyque. Col de Porte, Col du Cucheron, Col du Granier. Et bien là, il y aura tout et même en double dose. On commencera par le Cucheron en passant une première fois à Saint-Pierre de Chartreuse. On ira chercher le Granier depuis Saint-Pierre d'Entremont. On redescendra de la vallée pour remonter le Granier de l'autre côté. On n'ira pas exactement jusqu'en haut, mais c'est bien la même montée donc, que nous aborderons pour ce que l'on a appelé le col du Petit Granier. On redescendra encore dans la vallée pour aller faire un petit détour par la côte des Petites Roches et en terminer avec le Juge de Paix, Col de Porte, plus qu'un triptyque, donc un petit peu remodelé avant l'arrivée à Saint-Pierre de Chartreuse. Oui, ça promet hein, demain. 4530 mètres de dénivelé positif, 3 cols de première catégorie, 2 cols
de deuxième catégorie, les autres étant en troisième catégorie, alors que les coureurs sont ici au carrefour Poncin. Ça promet donc demain effectivement une très très grande explication au sein de l'Alpes-Isère Tour. C'est une véritable étape de montagne. On n'a pas mieux sur les, sur les grandes épreuves. Et c'est aussi la raison pour laquelle la course que nous avons le plaisir de commenter, mon cher Lilian, donc, s'appelle l'Alpes-Isère Tour, hein, tout simplement. Oui, et d'ailleurs, elle a été rebaptisée puisque c'était encore il y a peu alors le Tour Nord-Isère d'abord, puis le Rhône-Alpes-Isère Tour et eh bien Alpes-Isère Tour, la destination Alpes-Isère qui est venue prêter main forte à l'organisation et qui souhaitait justement que cet ancien Tour du Nord-Isère aille un petit peu plus au sud du département et aille un petit peu plus dans la montagne. Eh bien, c'est avec un immense bonheur qu'on sera en Chartreuse demain pour la suite et la fin des festivités, comme depuis 2 ans maintenant. Ce sera, je crois, la 3e année déjà que l'on arrive en Chartreuse pour une communauté de communes qui est amenée à avoir continuer d'évoluer l'Alpes-Isère Tour et des territoires qui seront également explorés la semaine prochaine par la course féminine créée la saison dernière, l'Alpes Grésivaudan Classique. On sera un petit peu plus de l'autre côté de la vallée, mais on ira faire une petite excursion en Chartreuse également pour cette course féminine. À rappeler également parmi les rendez-vous à venir, la Classique des Alpes Junior, les U19 qui auront rendez-vous. Ce sera samedi entre Ruy-Monceau, juste à côté de Bourgoin-Jallieu, qui donnera le départ en direction de l'Abridoire pour ce grand rendez-vous du cyclisme international junior. Là aussi, hein, entre parenthèses, quand on voit le niveau des juniors dans cette classique des Alpes très internationale. Maintenant, au départ, on avait effectivement une course franco-française, on va dire. Là, aujourd'hui, on a des équipes venues de tous les pays d'Europe ou presque. Et on s'aperçoit que sur le podium de la classique des Alpes juniors, on a de futurs grands talents et de grands grimpeurs, c'est évident. Voilà, donc les coureurs... Ils sont maintenant à 20 km de l'arrivée. L'écart s'est stabilisé autour de 55 secondes, voire la minute, sur le deuxième groupe. À mon avis, il sera difficile, hein, ce deuxième groupe, ce groupe de contre-attaque, de revenir sur les 5 coureurs de tête, des garçons de grand talent, des garçons expérimentés. Et même si, effectivement, il n'y a pas d'informations via les oreillettes, je pense que ces garçons ont compris qu'ils avaient des intérêts, j'allais dire, communs, à collaborer tous ensemble. Ici, on voit donc le travail de Timon Gratt, le dossard numéro 42 de la Jumbo Visma. C'est vrai que ce sont des garçons qui ont compris qu'effectivement la victoire était au bout et que demain elle sera un autre jour et que l'explication finale elle aura peut-être lieu demain en Chartreuse, comme on le disait à l'instant. En tout cas, ça roule très très vite, hein, devant, hein, franchement. Ça roule fort avec un écart qui serait même repassé sur la minute. On a 55 secondes ici. On a d'autres informations avec une 0,5. Donc voilà, cet écart qui oscille avec derrière eh bien les relais qui s'organisent un petit peu mieux malgré tout avec Finlay Pickering, Brieux Roland, maintenant le jeune et talentueux garçon de la formation Groupama FDJ Continental, lui qui avait brillé sur Redon, cinquième des derniers championnats de France Espoir, qui passe le relais maintenant à Martin Tiota, le Norvégien de Bourg-en-Bresse en cyclisme, vainqueur en Coupe de France sur le difficile Tour du Gévaudan. Artiem Schmidt qui est toujours là, hein, pour la formation à Gundermans, lui qui faisait partie de la première échappée mercredi et qui est encore ici avec Adam Tupalik pour la formation Elkhoff, le relais de Pepijn Reinderink pour la Soudal Quickstep, au moment de revenir sur ce groupe de tête avec des relais qui tombent tout aussi bien avec Martinelli qui s'accroche. On sent qu'il n'est pas le plus frais. Johannes Kulseth qui prend sa position à l'arrière, Martinelli devant lui, Timon Gratt, Oscar Honley et Lennart Van Etvelt, alors que l'on va aller disputer un sprint important puisque ce sera un sprint bonification. Encore une fois, il y a des points pour le classement des sprints intermédiaires, mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les bonifications, puisque ces 5 coureurs étant dans le même temps, eh bien c'est les bonifications qui décideront ce soir du maillot jaune.
Tout à fait, oui. En rappelant que dans ce groupe de tête, il y a des garçons qui sont partis très tôt hein, dans l'ascension du col du Petit Mont Noir, notamment Oscar Honley, Van der Velde et Timon Graat, trois des cinq coureurs, alors qu'on franchit ici une nouvelle fois l'autoroute A7 pour redescendre légèrement dans la localité de Daubery, où sera disputé le dernier point chaud, Lilian. Et pour rappel, donc pour l'instant, au jeu des modifications, que dans ce groupe, Kulset a une seconde, Honley en a deux, Van Edvelt également, Martinelli en a trois. Donc on rappelle que pour l'instant, le leader virtuel de l'Alpizer Tour, c'est le garçon que vous voyez ici avec son maillot vert de la Green Project, Alessio Martinelli, mais Van Edvelt qui lance. Voilà, c'est un vrai sprint de costaud pour aller faire les bonifs. Van Edvelt qui avait deux secondes, est-ce que ce sera cinq dans un instant? Oui. Et Honley qui doit en prendre encore deux. Pas de bonification pour Martinelli. Donc, oh, ah non, il était plus loin le sprint. On s'est... il y a eu une petite hésitation. Je crois qu'on a confondu. Il devait y avoir la pancarte à 200 mètres. Van Edvelt qui s'est un peu enflammé. Et du coup, c'est Honley qui prend les trois bonifs devant Van Edvelt. Donc, Oscar Honley qui avait déjà 2 secondes. Cela fait 5 secondes de bonification. Van Edvelt sera à 4. Et c'est donc Oscar Honley, le nouveau maillot jaune virtuel. Donc 5 secondes pour Honley, 4 pour Van Edvelt, 3 pour Martinelli, 1 pour Kulset. Martinelli n'a pas disputé le sprint hein, finalement. Et il pouvait pas, je crois. Il était vraiment en queue de groupe. Alors est-ce qu'il gère son effort pour disputer le sprint d'arrivée? C'est un garçon à la fois subtil et malin, Alessio Martinelli, et il a peut-être effectivement laissé les autres fournir un effort assez violent. Et lui, là, il fait de la patinette tranquillement, là, finalement, en tête, en queue de groupe. C'est assez intéressant de voir effectivement comment on peut gérer ces efforts, alors que le groupe numéro 2, donc le groupe de contre-attaque, vient de passer ici avec un retard de 1 minute et 10 secondes. Une 10, ça sera difficile pour ce groupe d'entrevoir, bien sûr, les maillots des 5 hommes de tête. Ils sont dans une descente extrêmement rapide ici en direction de Clona sur Varèse. Et on rentrera donc dans le circuit final d'arrivée d'ici 3 km environ. Et oui, puisque c'est vrai que j'avais presque oublié qu'on allait les retrouver sur la ligne d'ici quelques instants, puisque le premier passage sur la ligne aura lieu bien justement à 10 km de l'arrivée, 9,8 exactement. Donc pour le public qui aura le plaisir de les voir passer à deux reprises aujourd'hui. Et vu les écarts et ce qu'on a vu les jours précédents, j'ai bien peur que la voiture balai se fasse rattraper par les hommes de tête dans le circuit final. Mais cela, on en a l'habitude maintenant et cela va se gérer parfaitement avec l'organisation. Mais ce circuit de 10 km que les coureurs vont emprunter donc pour clôturer une longue journée entre le Vercors et entre Bièvre et Rhône. Voilà, tout à fait. Les coureurs donc en ont terminé avec cette descente rapide qui suivait le dernier point chaud d'ailleurs de la journée. Il n'y a plus de classement intermédiaire. La montagne, il reste par contre une dernière ascension, celle de la côte du Colombier, mais il n'y aura plus de sprint d'ici bien sûr l'arrivée ici à Saint-Maurice-l'Exil. Ça va très très vite, hein, 57 km/h au compteur donc de la moto, alors que les coureurs entrent dans la localité de Clona sur Varèse. 57 km/h, ça va effectivement très très vite en tête de course. L'écart semble pourtant se maintenir entre les 5 coureurs de tête et les poursuivants immédiats. Je pense qu'effectivement l'écart est peut-être légèrement en train de croître. On attendra donc le dernier pointage, bien sûr, pour avoir un peu plus d'informations sur ces écarts. En tout cas, donc le groupe de tête gère parfaitement bien la situation. Et Alessio Martinelli, le petit coureur italien, le coureur peut-être le plus rusé du groupe, donc lui aussi, fait, je dirais...
très attention à ne pas fournir donc d'efforts inutiles en tête de course, où on voit bien entendu des garçons comme Van Etvelt, comme Hanley, comme Timon Gratt faire leur part de travail. Et ça, c'est toujours effectivement difficile, alors que là, on est dans la longue ligne droite qui va précéder l'entrée sur le circuit final d'arrivée. Nous sommes environ à 14 km de l'arrivée finale de cette étape et à 4 km seulement du premier passage sur la ligne d'arrivée ici à Saint-Maurice-l'Exil. Ligne d'arrivée, je le rappelle, qui est située donc au niveau du siège de la communauté de communes d'entre Bièvre et Rhône. Une belle arrivée d'ailleurs, entre parenthèses, pour cette quatrième et avant-dernière étape. Et on va les retrouver donc sur la ligne dans quelques tout petits instants. Dernier écart communiqué. Avec une 10 entre les 5 hommes de tête et le premier groupe de contre. Une 10 seulement et l'opportunité d'un maillot jaune qui se jouera maintenant à l'avant. C'est certain, à moins que vraiment on s'arrête de pédaler dans ce groupe de tête. Alors qu'Adam Tupalik relance un petit peu. Pickering en deuxième position, Roland en troisième. Reindering en quatrième, Artem Schmidt en cinquième. Mais le tout à 1 minute 10 derrière. Ils ont des très gros rouleurs dans la Elkhof Casper. Des garçons comme Yann Barta, mais aussi Adam Tupalik. Des garçons qui connaissent bien d'ailleurs les routes de l'Alpe Isère Tour, puisqu'ils ont participé à plusieurs éditions. Ici, on a dû voir le panneau indiquant, je crois, les trois derniers kilomètres avant le premier passage. Je dis bien avant le premier passage sur la ligne d'arrivée tracée à Saint-Maurice-l'Exil. Il restera encore une boucle d'environ 10 km après avoir franchi donc la ligne d'arrivée pour la première fois. Donc toujours 5 hommes en tête et toujours Alessio Martinelli en queue de groupe. En queue de groupe. Alors on verra tout à l'heure s'il a bluffé tout au long de ce parcours ou non. Le virage à gauche et on va retrouver bientôt le final. On est dans les 3 derniers kilomètres avant le passage sur la ligne, une 10, le dernier écart. On rappelle que pour l'instant, c'est donc Oscar Hanley, le maillot jaune virtuel. Maillot jaune virtuel avec Lennart Van Etvelt qui serait à 1 seconde. On rappelle qu'il y a les bonifications à l'arrivée. 10, 6 et 4. Tout à fait. Effectivement, donc les bonifications donc grappillées en cours d'étape donnent la situation suivante. Hanley en a grappillé 5, Van Etvelt en a grappillé 4 et Martinelli en a grappillé 3. Donc la conclusion, c'est de dire qu'effectivement tout se tient en peu de secondes. Voilà donc un des derniers ravitaillements ou alors non, c'est peut-être des consignes donc, qui sont donnés par le directeur sportif de la formation UNOX à leurs coureurs. Je rappelle donc que les ravitaillements seront interdits dans les 10 derniers kilomètres de cette étape et on s'en rapproche donc à grands pas. Oui, dans le circuit final, effectivement. Et c'est vrai que tu parles de cette formation UNOX. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Johannes Kulseth. Justement, est-ce que lui fait partie de ceux qui se réservent pour aller disputer le sprint et aller chercher la victoire d'étape? Le coureur norvégien de cette formation UNOX qui n'a pas fait spécialement d'efforts pour aller chercher la bonif. Il en a pris une tout à l'heure, un petit peu par hasard au passage d'un sprint intermédiaire, mais c'est un garçon qui pourrait s'exprimer dans le final, 19 ans seulement, mais déjà 5e d'étape sur le Tour des Alpes, avec le plus haut gratin professionnel, puisqu'on connaît la qualité de cette épreuve disputée en Autriche, en Italie et en Suisse. Et voilà donc les coureurs maintenant entrés dans le kilomètre qui précède le premier passage sur la ligne d'arrivée. Alessio Martinelli a remonté en deuxième position. Ça, c'est une information importante. Il était resté bien sagement calé dans les roues. Je pense qu'il a peut-être eu quelques remontrances. En tout cas, on le voit effectivement maintenant aux avant-postes et calé dans la roue de l'homme de tête. Je crois que c'était
Oscar Honley à l'instant. Voilà donc la ligne d'arrivée donc qui se profile à l'horizon pour les hommes de tête, bien sûr. On va les retrouver en caméra fixe pour ce premier passage. Il va rester 9 km 800 et encore une ascension répertoriée, hein, ce qui pourrait servir de jump dans le final pour l'un des coureurs. La Côte de Colombier, classée en quatrième catégorie, 1,5 km à 6,5%. Pas forcément très dur, mais un final pour puncher, alors que l'on retrouve le passage sur la ligne pour Lennart Van Etvedt, Oscar Honley, pour Alessio Martinelli, pour Johannes Kulseth et pour Tymon Grat à un tour de l'arrivée. Beaucoup de monde sur le bord de la route pour accueillir les coureurs ici à Saint-Maurice-l'Exil avec l'écart que l'on va pouvoir prendre et confirmer nous-mêmes cette fois-ci au passage de la ligne avec un groupe de chaises qui ne rend pas les arbres. Adam Tupalik emmène Wester Pepijn Van de Rink juste dans sa roue. On retrouve Artem Schmidt derrière, les coureurs de Bourg-en-Bresse qui font leur part du boulot également. On a vu Rémi Capron prendre quelques relais bien appuyés également. On a toujours Magnus Brinsrud, Finlay Pickering dans ce groupe de contre, mais qui semble encore loin du passage. La minute, il sera largement. Moi, à mon avis, il y a plus d'une minute dix sur la ligne d'arrivée entre le groupe de tête qui est déjà passé depuis un moment et qui attaque l'ascension de la dernière difficulté du jour, la côte du Colombier. Cette côte du Colombier, le pied de côte, je dis bien le pied de côte, donc est à 200 mètres après la ligne d'arrivée et on aperçoit donc les cinq hommes de tête dans l'ascension de la dernière difficulté, alors que le groupe des poursuivants n'a pas encore passé la ligne. Lilian va nous donner donc le temps. Ouais, ce sera, on y sera, hein, une 10, voilà, franchi à l'instant même. Vous voyez l'écart en bas à droite de votre écran, une 12. Donc confirmé, ouais, sur la ligne. Ben finalement, oui, je croyais qu'il y aurait plus. Hein. Finalement, ils ont maintenu l'écart alors que. Lennart Van Etvedt passe à l'offensive. Et Oscar Honley y va. Ah ben voilà, l'explication entre les deux cadors de ce peloton qui était attendu. Martinelli ne peut pas y aller. Kulseth est collé au bitume. Et Honley a du mal à accrocher la roue de Lennart Van Etvedt maintenant. Ouais. On avait dit, hein, que cette ultime ascension pourrait servir de terrain d'expression, de jump pour l'un des coureurs de l'échappée. Bien Van Etvedt qui s'envole maintenant peut-être vers la victoire dans cette quatrième étape dans une équipe Lotto Destiny qui s'est présentée à deux au départ ce matin. Ils étaient déjà quatre mercredi, pas épargnés par les pépins depuis le début de la semaine, par les chutes, ses petits soucis de santé. Et bien peut-être la consolation dans quelques minutes pour Lennart Van Etvedt. 9 km encore à tenir, mais il a fait le break et Ryan de Rink fait la même chose derrière. Oui, c'est ça qui est important, hein, à souligner, c'est qu'au sommet de la côte du Colombier, il doit rester encore, à mon avis, 8 km. Ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile pour gérer, hein, cette situation, parce qu'il y a quand même un vent donc légèrement défavorable donc pour les coureurs. Et c'est vrai que même si Van Etvedt donc semble vraiment très solide en tête de course, ce coureur de la Lotto Destiny nous fait effectivement forte impression. Moi, j'ai tout à l'heure, je faisais un petit jeu de mots en disant que c'était la Lotto décimée, mais c'est vrai qu'avec deux voilà, coureurs, il a pas aimé ton jeu de mots, visiblement. Exactement, ouais. Avec deux coureurs, ils sont peut-être en passe de remporter l'étape et la course, peut-être. Alors que derrière, on est sorti avec Martin Ciotta, le Norvégien de Bourg-en-Bresse, un cycliste, Madame Tupalik et Wester Pepijn Van de Rink. Je crois que c'est Rémi Capron qui est intercalé là-bas au fond, sous les couleurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Cette côte qui fait mal à tout le monde et Martin Ciotta impressionnant sous les couleurs de Bourg-en-Bresse. Ryan de Rink qui avait lancé la première banderille et se couche maintenant. Ciotta dans son style caractéristique qui met même en difficulté Adam Tupalik. Ah, c'est vrai que le coureur de Bourg-en-Bresse, un cycliste, lui aussi fait vraiment quelque chose d'étonnant, alors que l'homme de tête donc arrive au sommet de cette dernière difficulté, Van Etvedt. Le coureur de la Lotto Destiny, donc voilà, qui vient de passer à l'instant même sur la ligne indiquant donc le dernier classement comptant pour le Grand Prix de la Montagne. C'est une côte de quatrième catégorie. Le coureur va ensuite virer sur la gauche pour rejoindre donc la localité de Clona-sur-Varèze. Mais c'est vrai que l'effort
L'effort donc de Van Etvelt est vraiment, vraiment impressionnant. Hein. Après pratiquement 190 km de course, il en a quand même encore sous la pédale. Et c'est vrai que ce garçon est vraiment, vraiment étonnant. C'est pas surprenant qu'on ait pu le voir dans des grandes courses et notamment dans des courses du World Tour. Et on parlait des écarts qui allaient être astronomiques ce soir. On est seulement passé il y a quelques petites secondes du côté du groupe qui était tout à l'heure le groupe principal, c'est dire. Eh bien, avec notamment Joris Chaussinant hein, dans ses rangs. J'ai aperçu Mathias Chaussurnier également pour Bourg-en-Bresse. Donc, qui viennent de passer la ligne et on n'a toujours pas vu, sauf erreur de ma part, le maillot jaune. Alors qu'ici, on retrouve Oscar Honnelly. Donc en deuxième position, Lennart Van Etvelt qui est toujours à l'avant. Et Oscar Honnelly qui ne l'aperçoit même plus maintenant, le leader belge. Sur des routes très étroites. Hein. Vraiment, on est sur des sentiers goudronnés finalement et des routes vraiment, vraiment étroites. Heureusement, donc, ces routes sont relativement plates. Je dirais même, voire en faux plat descendant pour les coureurs qui rejoignent la localité maintenant de Clonaz-sur-Varèze. En tout cas, on a vu beaucoup de monde hein, dans ces derniers kilomètres, beaucoup de monde sur la ligne d'arrivée, beaucoup de monde dans l'ascension de cette côte du Colombier. C'est là où effectivement il fallait se positionner parce que de cette côte du Colombier, on peut ensuite, après le passage des coureurs, rejoindre sans difficulté la ligne d'arrivée qui est à quelques hectomètres. Et c'est une bonne initiative hein, d'avoir pu classer cette côte ici et, en quatrième catégorie parce qu'elle le mérite, elle est difficile, elle arrive en fin de course, mais en tout cas ça nous promet un beau final. Et Rémi Capron qui est revenu hein, sur le groupe avec Martin Ciotta. Donc on a deux coureurs amateurs hein, au troisième niveau de la course. Rémi Capron et Martin Ciotta, respectivement pour Villefranche-Beaujolais et Bourg-en-Bresse en cyclisme, accompagné de Pepijn Reinderink pour la Soudal Quick-Step et d'Adam Tupalik, le tchèque de l'équipe Elkhof. Un coureur français, enfin. Voilà. Un coureur français, c'est Rémi Capron, qui effectivement, lui aussi, montre son talent et qui est très à l'aise, effectivement, dans la montagne. C'est un garçon qui pèse 59 kilos seulement, donc qui offre un rapport poids-puissance excellent. Et on peut d'ailleurs espérer le retrouver demain en Chartreuse, Rémi Capron, parce que c'est un garçon qui affectionne les cols. Demain, nous aurons des ascensions plus longues encore que celles d'aujourd'hui. Et Rémi Capron, pourquoi pas, peut bien entendu réaliser, je dirais, demain un exploit. Et c'est tout le mal d'ailleurs qu'on peut lui souhaiter. Lui qui envisage bien sûr de rejoindre une structure professionnelle. Il en a effectivement les capacités. Il a aussi un très très beau palmarès. Alors que effectivement, on aperçoit ici dans la localité de Clonaz-sur-Varèze l'homme de tête, donc Van Etvelt, qui est dans une descente extrêmement rapide et sinueuse. Et là donc, il va rejoindre le circuit d'arrivée. Voilà, donc il est maintenant entré une nouvelle, mais dernière fois sur ce circuit d'arrivée. Il nous fait une forte impression quand même, ce garçon, Lilian. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de coureurs encore passer sur la ligne. Hein. Oui. Donc le circuit final a boit de 10 km. Je crois que même le maillot jaune n'est pas encore passé. Maillot jaune qui sera maillot bleu. Hein. Ce soir, Clément Carizet qui va rester leader du classement des sprints. Mais pour ça, il faut terminer l'étape. Et il faudra terminer dans les délais. Alors, je ne suis pas spécialement inquiet pour Clément Carizet. Mais pour d'autres coureurs, il va falloir s'empoigner pour rentrer dans les délais tout à l'heure. Les délais qui leur seront imposés par le temps du vainqueur. Celui de Lennart Van Etvelt, bien parti pour s'imposer, faire coup double. Donc, vainqueur d'étape et maillot jaune d'ici quelques minutes. Sauf ennui maintenant, on imagine mal comment on peut revenir de l'arrière alors qu'on a toujours Oscar Honnelly qui est intercalé et que vous retrouvez ici à l'image un groupe de 4 coureurs. Ils étaient 9 tout à l'heure, ce sont 4 coureurs parmi lesquels notamment Rémi Capron et Martin Ciotta du côté des amateurs. 15 secondes hein, l'écart entre Lennart Van Etvelt et Oscar Honnelly sur les 4 derniers kilomètres.
c'est à la fois peu et beaucoup, hein, finalement. Parce que ce garçon, bah, il est tout simplement en point de mire. On le voit qu'il se retourne. Il est quand même pas très, très, très serein, hein, on va dire. 15 secondes, c'est effectivement... Allez, 200 mètres qui séparent l'homme de tête du poursuivant immédiat. Et ça peut se jouer à pas grand-chose quand on sait qu'hier, effectivement, on peut malheureusement être victime d'un incident mécanique ou d'une crevaison. C'est pas ce qu'on souhaite, bien sûr, à l'homme de tête. Mais Clément Carizet en a été la victime hier. Et dans le cyclisme, tout peut changer en quelques secondes. Ouais, allez, même si on a une crevaison, là... Je crois qu'il faudra terminer à plat, au moins essayer à 3 km de l'arrivée pour Lennart Van Helvet. Les dernières courbes qu'il faut manœuvrer, rester prudent et lucide dans ce final pour le jeune Belge qui va aller certainement s'imposer, qui ferait coup double, donc victoire d'étape. Maillot jaune, maillot blanc également de meilleur jeune puisqu'il a 21 ans, on le rappelle. Et derrière, on va aller signer une sacrée performance. Chez Rémi Capron et Martin Ciotta, on n'a pas d'écart récent à vous communiquer à ce niveau de la course. Il y avait une 10 sur la ligne. Donc ce soir, on pourra avoir un top 5 assez extraordinaire avec des coureurs World Tour et puis un groupe qui revient à 35 secondes. A priori, Rémi Capron, Martin Ciotta, Rein de Rink dans ce groupe. Oui, les écarts, effectivement, sont effectués. Peu importants. Hein. Ouais, on est bien revenu, ouais, hein, finalement. Voilà, il m'en manquait un, c'est Tupalik. Là, on doit rentrer, à mon avis, dans les deux derniers kilomètres de cette étape. On est sur une ligne droite une ligne droite entièrement plate avec un vent qui souffle de côté, hein, pour l'homme de tête comme pour tous les autres d'ailleurs. Vent de côté donc pour Van Etveld. Alors que l'on va retrouver un groupe à l'amorce du dernier tour, c'est le groupe maillot jaune, j'ai l'impression. Oui, il est là, Clément Carizet, ouais, avec Gabriel Fédé. On va terminer loin ce soir, mais il faut finir parce qu'il y a des maillots en jeu pour Clément Carizet qui serait maillot bleu, pour Gabriel Fédé qui serait toujours maillot violet, donc encore 10 km pour eux. Ça veut dire que c'est des garçons qui vont finir pratiquement un quart d'heure, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'ascension de la côte. Et on n'est pas au dernier, hein. On n'est pas au dernier. Tout à fait, c'est l'ascension de là. L'ascension de la côte du Colombier, donc ensuite après il restera encore 8 ou 9 kilomètres pour rejoindre l'arrivée ici à Saint-Maurice-d'Exil. Vous voyez que le maillot jaune aujourd'hui il va peut-être prendre un éclat situé à 12-13 minutes de ce formidable coureur, ce guerrier qui est Van Helvet, le coureur de la Lotto Destiny. Qui passe la flamme rouge. La flamme rouge, effectivement, dernier kilomètre donc... pour ce jeune et talentueux coureur qui porte, je le rappelle, donc les couleurs de la Lotto Destiny. Ils étaient deux au départ de l'étape. Et ben finalement, on prouve que la loi du nombre n'est peut-être pas une loi pour le cyclisme, puisque l'un de ces deux hommes est actuellement en passe de gagner cette étape. Et quelle étape aujourd'hui sur les routes de Saint-Maurice-l'Exil ? Quelle étape avec Lennart Van Etveld dans les 500 derniers mètres qui va tout donner jusqu'au bout, essayer d'avoir le maximum d'avance. Et derrière, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude sur les maillots distinctifs. C'est l'incertitude sur les délais. Du côté du classement par points, Jordi Warlob n'est pas inquiété. Mais il faut terminer cette étape. Et lorsque l'on voit effectivement les dégâts qui ont été causés, eh bien, il va falloir faire les comptes à l'arrivée. Alors que Lennart Van Etveld, lui, va savourer à 150 mètres de la ligne. Un garçon qui a terminé aux portes du top 20 sur la Flèche Wallonne, remporte une étape du Tour d'Italie Espoir, qui vient apporter cette belle victoire à la Lotto Destiny. C'est fait pour Lennart Van Etveld. Et on va prendre 10 secondes de bonification au passage et surtout déclencher les chronos sur l'arrière avec un groupe ici assez exceptionnel. Martin Ciotta, Rémi Capron, Adam Tupalik et Pepijn Rein de Rink a rappelé qu'on avait toujours d'autres coureurs intercalés que l'on va retrouver bientôt dans les caméras fixes avec Oscar Honley notamment qui était parti pour aller chercher la deuxième place de l'étape. On va l'apercevoir dans un instant. Il y avait toujours Martinelli, Kulset et Gratt qui ont été intercalés. Moins qu'ils aient été repris par ce groupe, mais je ne crois pas. Donc on va faire le point maintenant sur les lignes d'arrivée avec le voilà, Oscar Honley qui vient en terminer maintenant.
Oscar Henley pour la formation DSM. Sixième du Tour de Hongrie, cinquième d'étape en Romandie et deuxième d'étape à Saint-Maurice-l'Exil aujourd'hui. 52 secondes qu'on a perdu sur Van Etvelt. On a perdu quasiment une minute en moins de 10 km. Surpuissant, Van Etvelt dans son effort. Et c'est Kulseth qui va aller faire troisième. Finalement, le Norvégien Johannes Kulseth va prendre la troisième place. Alessio Martinelli sera quatrième. Tymon Graat, cinquième. On est à 1 minute 12 et on est déjà là derrière pour Pepijn Reinderink, pour Rémi Capron, c'est Adam Tupalik. Sprint serré, ce sera la sixième place pour Reinderink. Septième Capron, huitième Tupalik, neuvième Martin Ciotta. À l'écoeur des formations de DNA, on fait quand même une belle étape. Je dirais que grâce à des garçons comme Ciotta et Capron, ils ont vraiment sauvé les meubles et ça fait plaisir de les voir rentrer dans le top 10 de cette quatrième étape, parce que c'est vrai que c'était une étape particulièrement difficile, longue, pratiquement 190 km, on l'a dit et répété plusieurs fois. Mais c'est vrai que Rémi Capron, Martin Ciotta donc, ont vraiment sauvé les meubles après la traversée du Vercors. Le top 10 complété par Brio Roland pour la Groupama FDJ. 11e Charles Page, 12e Finney Pickering, 13e Brinsrud. Voilà pour la suite du top 15. Avec, non, je crois que c'était 12e Artiem Schmidt et Pickering doit faire 14 juste à l'arrière de ce groupe. À confirmer dans un instant. En tout cas, ce soir, il y aura quand même des écarts. Franchement, quand on voit un maillot jaune qui va terminer à plus de 10 minutes, ça, c'est à peu près, j'allais dire, à peu près certain. Ça veut dire que derrière, il y a certainement des garçons qui vont prendre 20, 25 minutes et peut-être plus dans ce genre d'étape. À souhaiter effectivement qu'ils aient pu continuer donc leurs efforts et rejoindre un groupe Eto pour pouvoir donc terminer les derniers kilomètres de cette quatrième étape. Le groupe Eto, il faut le rappeler, donc, c'est le groupe qui se forme à l'arrière et où, bien entendu, on aperçoit dans les épreuves comme celle-là, dans les étapes de montagne, on aperçoit surtout des sprinteurs, bien sûr, qui sont, hélas, désavantagés lorsqu'ils doivent affronter des ascensions, comme ce fut le cas avec le col du Petit Mont Noir et ces 13 kilomètres d'ascension. Souhaitons qu'effectivement, donc, il y ait au moins un, voire deux groupes Eto qui vont lutter bien sûr avec le chronomètre pour éviter les éliminations et être hors délai. On va les guetter ces délais alors que seulement 13 coureurs, hein, non pas 14, j'en avais inventé un au passage, on terminé. Donc la victoire de Van Etvelt, on est deuxième, Kulseth troisième, Martinelli quatrième, Graat est cinquième. Reinderink est 6e, Capron 7e, Tupalik 8e, Ciotta 9e, Brio Roland complète le top 10 à plus de 2 minutes. Artiem Schmidt est 11e pour la formation Gunsbergmann. Magnus Brindtrund est 12e, Finney Pickering 13e et c'est tout pour l'instant. Alors que le fond fou, ne tourne, hein. C'est impressionnant. Voilà, alors là, un autre coureur qui se présente ici à 100 mètres de la ligne. Et dites-vous, ça fait 4 minutes, hein. Oh là le là, top, on est encore dans le top 15 et on est à 4 minutes avec un garçon d'Israël Premier Tech. Et encore une fois, il va y avoir de l'incertitude du côté du podium protocolaire parce que le maillot vert Jordi Warloop doit être très loin. Et moi, je vais rejoindre le plateau dans un instant pour retrouver le vainqueur alors que on a un groupe un petit peu plus conséquent qui en termine, notamment avec Mathis Lebeau, le groupe avec Joris Chaussinant qui en termine ici. Plusieurs coureurs de l'équipe AG2R Citroën. Et nous, on va se tourner bientôt vers le plateau. On va juste revoir l'arrivée de Lennart Van Etvelt qui aura pu savourer donc sur le final. Lennart Van Etvelt, vainqueur de cette étape. Et il est déjà là pour l'interview. On va se tourner en plateau dans un tout petit instant avant de retrouver le podium protocolaire. Lennart Van Etvelt donc, qui vient s'imposer en patron à Saint-Maurice-l'Exil. Ouais, il a fait le job. Hein. Franchement, là, il n'y a pas besoin d'avoir de photo finish. Hein, franchement. Le top 10 qui est donc confirmé en attente d'autres informations et en attente de voir... Eh bien, les délais retenus également. Voilà le podium
Lennart Van Helvet, Oscar Ornelas, Johannes Kulseth. On va basculer en plateau, retrouver l'interview du vainqueur. Ce sera après avoir entendu les mots de Monsieur Philippe Gentil, maire de Saint-Maurice-et-Exil, qui nous accueille ici. Oui, l'histoire avec l'Alpizer Tour, je dirais plus, avec Michel Baup, son organisateur, remonte à plusieurs dizaines d'années, donc et date de mon prédécesseur à la mairie, qui était Francis Charvet. J'ai repris derrière bien volontiers la suite sur l'accueil, soit d'une arrivée, soit d'un départ, soit des deux il y a quelques années. Et puis maintenant, dans le cadre d'une convention sur 6 ans, alternativement avec la communauté de communes, on accueille à la fois une arrivée et un départ. Puis Saint-Maurice est une ville sportive à la fois en sport collectif, que ce soit le hand, le foot, mais aussi en sport plus individuel, comme la danse, comme le rock. Le cyclisme en tant que tel n'est pas pratiqué par une association samaritaine, mais on accueille à Saint-Maurice des épreuves cyclistes sur une journée avec des associations de villes voisines. Et l'Alpizer Tour vient compléter cette proposition par une épreuve très professionnelle, complémentaire, avec effectivement professionnel aussi bien par les pratiquants, par les sportifs, que par l'organisation qui amène un vrai spectacle à disposition des Samaritains et les habitants. Du fait de cette épreuve, permettent d'avoir une proximité avec les sportifs de haut niveau, mais également de proximité avec une épreuve, une manifestation, avec une organisation très professionnelle. Et ça, c'est un plus pour la collectivité. Et maintenant, au mois de mai, les habitants de Saint-Maurice savent que l'Alpizer Tour fait une étape référente à Saint-Maurice-l'Exil. Je suis heureux que l'Alpizer Tour ait franchi l'étape du Covid et perdure après cette période très difficile, avec une évolution significative avec l'entrée du conseil départemental au sein de cette épreuve, avec une étape, l'étape finale grandiose au niveau de l'Isère, une étape de montagne, ce qui clôt bien la diversité des épreuves, des étapes qui sont proposées par l'Alpizer Tour. Et encore une fois, je veux féliciter les organisateurs, les bénévoles, pour leur professionnalisme et la qualité de l'épreuve, de la manifestation qu'ils proposent à des petites communes, parce que Saint-Maurice est une petite commune, 6500 habitants, et ça leur permet aux habitants d'approcher une épreuve professionnelle avec de la qualité et de la proximité. Donc voilà, merci à l'ensemble des organisateurs. Voilà, on est de retour en direct avec le vainqueur de cette étape, alors que 30 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée. Le chrono qui continue de tourner, on va se tourner du côté des délais tout à l'heure, mais féliciter surtout Lennart Van Helvet. Congratulations for this stage, a very hard stage, a hot one, and a crazy final, because you have 50 seconds on the line on Oscar Ronley with an attack at 9 kilometers to go, une attaque à 9 kilomètres de l'arrivée, 50 secondes sur la ligne, c'est incroyable, it's incredible for you. Yeah, it was a really hard day out and very long, very hot. I had a lot of fun today, like, I really miss the teammates here, like, last year we had a really good atmosphere, but we're only with 2 guys here now. But anyway, I had a lot of fun and I hope tomorrow will be a nice day as well. Oui, lui qui nous disait que l'étape a été longue, elle a été dure, que c'est un Alpizer Tour. On a essayé de prendre du plaisir malgré le fait qu'il soit que 2 coureurs, effectivement, encore en lice. Et on espère que demain, on va pouvoir savourer également. How are you feeling in the mountains for tomorrow? It will be a very hard stage with many teams who want your jersey tomorrow. Il y en a beaucoup d'équipes qui voudront ton maillot demain. Comment t'es à l'aise dans la montagne? Yeah, it will be very hard tomorrow. It will not be easy, of course. The legs were really good today. I think I will feel tomorrow in my legs, today in my legs tomorrow. But it will be the same for everyone. Of course, defending the jersey alone will not be easy. But I think my form is really good and I hope to show it again. Oui, lui qui nous disait que forcément il va falloir récupérer pour la journée de demain, que ce sera la même chose pour tout le monde, qu'on s'attend à une étape extrêmement difficile, mais qu'on aura à cœur de défendre en tout cas le maillot jaune qu'il est allé chercher ce soir.
Voilà donc pour les mots de Lennart Van Edvet pour demain, donc encore une longue journée. Thank you very much, Lennart Van Edvet. We have the official ceremony just after. On a le podium protocolaire qui l'attend, donc on va le libérer, le laisser récupérer. Effectivement, après cette journée, on va retrouver les images de ce final avec Lennart Van Edvet qui vient s'imposer alors qu'on continue d'en terminer du côté d'autres coureurs. Et j'ai vu passer Jordi Warlop, le maillot vert, donc qui va le conserver. Je n'ai pas vu si Clément Carizé était arrivé pour l'instant, lui qui est toujours leader du côté des sprints intermédiaires. On a d'autres coureurs qui en terminent derrière nous et vraiment au bout de l'effort pour les 120 coureurs qui étaient présents au départ. Lennart Van Edvet donc s'impose dans cette étape à Saint-Maurice-l'Exil. Le classement, vous le retrouvez ici avec Lennart Van Edvet devant Oscar Onney. Johannes Kulseth a pris la 3e place, Martinelli est 4e, Tymon Gratt a pris la 5e place. Dans ce top 10, on retrouve des coureurs amateurs. Rémi Capron est 7e, Martin Ciotta est 9e. Brieux Roland, le jeune coureur de l'équipe Groupama FDJ Continental, est venu compléter lui le top 10. Alors que du côté du classement général, eh bien, Lennart Van Edvet a maintenant 55 secondes d'avance sur Oscar Onley, 1,19 sur Johannes Kulseth. Alessio Martinelli est relégué à 1,22, 1,25 pour Tymon Gratt. Rémi Capron à 1,39. Voilà pour les quelques informations de cette fin d'étape. Alors que l'on va retrouver bientôt le podium protocolaire, Jean-Claude, un mot très rapide sur l'étape de demain. Oui, avant tout, je dirais simplement que pour en terminer, c'est de dire que les écarts se sont creusés aujourd'hui comme on les avait jamais vu se creuser au cours des trois premières étapes. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a de véritables écarts, mais quand on va voir effectivement le profil de l'étape de demain, je dirais que c'est peu important. En tout cas, le souci pour le leader ce soir à Saint-Maurice-l'Exil, à mon avis, c'est qu'il n'a qu'un seul équipier. Et ça va être difficile avec un équipier de pouvoir défendre ce maillot, sauf si effectivement, comme on le dit dans le jargon, ça se fait à la pédale, puisque demain, donc dans cette dernière étape au cœur du massif de Chartreuse, on va se payer le Cucheron, le Granier, Montagnole, le Petit Granier, les Petites Roches et le Col de Porte, sans oublier la côte de Saint-Pierre de Chartreuse pour terminer. Plus de 4500 mètres de dénivelé positif demain, ça sera encore un autre problème. Un autre problème pour les coureurs, on va les laisser récupérer bien évidemment. Piscine pour tout le monde ce soir. Parmi les coureurs, il faisait plus de 28 degrés aujourd'hui sur les routes du Vercors et entre Bièvre et Rhône. On va continuer la journée avec le podium protocolaire, mais vous laissez à vous, nos amis téléspectateurs qui nous avez suivis pendant ces quelques heures de direct pour suivre une étape totalement folle. Demain, on vous donne rendez-vous à 13h45 pour la prise d'antenne, toujours sur Télégrenoble, sur Direct Vélo, sur Vélo Plus TV, sur YouTube, sur Facebook. Restez avec nous parce que demain, ça va être un final extraordinaire. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain, 13h45. Reprise et on suivra l'ensemble des coureurs et la préparation d'un éventuel sprint, ce sprint incroyable. Effectivement, et ce sont bien les couleurs de Metex Solarwatt que l'on retrouve aux avant-postes avec Yves Rollet Junior et qui effectivement étire. Et avec également 6 points qu'il est allé chercher dans la côte de Valbir, les meilleurs coups de feu autour de Vité, la nervosité que l'on a ressenti. Reprendre tout cela alors qu'on aborde les 57 derniers kilomètres et qu'on prend un temps de relâcher avec Bambour dans la dernière bouchée de la coïncidence. Toujours il va être battu par un coureur de l'équipe AG2R. Si tout à l'heure pour la Bière Hôtel, on retrouve donc deux hommes forts et Sébastien Berwick s'impose à